Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Robert Nelson, le président de la République libre du Bas-Canada, et il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à La Voix du Bas. Vous êtes sur les ondes de Radio Bas-Canada. Nous sommes avec Marie-Louise Arsenault. Merci infini d'être avec nous. C'est un grand plaisir de te recevoir. C'est un plaisir. C'est réciproque. Je suis vraiment content. Génial. Puis évidemment, comme toujours, mon fidèle copilote Sam, ici à la table avec nous. Puis, Marie-Louise, moi, la première chose que je me demandais, tu sais, ça fait cinq années que moi, je participe à l'émission Plein de fous, Plein de livres. Ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est assez capote. C'est une des choses qui me le fait plus réaliser que le temps passe vite, en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait hier que j'ai commencé à faire ça. C'est vrai. Puis, une des questions qui m'a toujours vraiment habité depuis que je fais ça, c'est comme, combien de livres tu lis par semaine? Je pense que c'est la question qu'on pose le plus souvent. Ça intrigue beaucoup, beaucoup. Mais les moi, gens. J'ai jamais osé te la poser, en fait, parce que comme. Mais là, j'ai comme envie de te la poser. Oui. Ben, ça dépend des semaines. C'est jamais pareil. L'équipe, depuis qu'on est en nombre 2 heures par jour, parce que c'est une émission qui a beaucoup évolué. Mm-hmm. Tu le sais, on est en nombre d'abord le soir en direct, donc à 1 heure, puis on faisait du lundi au jeudi. Fait que, tu sais, c'était un horaire. C'était déjà. Time consuming, mais bon, c'était vivable. Puis après ça, on est passé à 1h30 par jour, puis à 2h par jour, du lundi au vendredi. Donc, 2h par jour, là, l'équipe a commencé à faire, on va l'aménager un peu. Donc, je lis en moyenne maintenant 2, parfois 3 livres, mais c'est plus exceptionnel, 3 livres. Tu vois, on revient en onde la semaine du 7 janvier, j'ai 3 livres à lire, plus une série à regarder, mais c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai 2 semaines de vacances, puis j'ai le temps, là. Mais normalement, c'est 2 livres. C'est pas si pire. Mais c'est parce que l'impression que ça te donne, puis je pense que c'est que tu es très habile parce que moi, j'ai l'impression que tu as tout lu de A à Z. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, j'ai vraiment comme... Puis c'est ce rapport-là à la lecture que je me demande. Est-ce qu'à force de lire des choses dans le contexte d'en faire une émission, comme ton rapport à la lecture doit avoir changé quand même beaucoup, tu sais? Ben oui. C'est drôle parce que je lisais dans un magazine new-yorkais, américain, en fin de semaine, qu'ils appelaient ça « the liberal way of reading ». C'est-à-dire, c'est lire, pas la lecture rapide parce que j'ai pas de technique, là, mais une façon de lire qui fait en sorte que tu es capable de lire un livre de 400 pages en quelques heures. Donc, tu vas scanner des parties ou comprendre que tu peux passer telle affaire puis que tu manqueras rien. Avec un roman, parfois, c'est plus difficile. Avec les essais, ça se fait assez mieux, mais c'est sûr que j'ai développé des réflexes qui me permettent de gérer mon temps de lecture dans une semaine donnée. Cela dit, quand tu dis que j'ai l'impression d'avoir... Par exemple, toi, tu es dans le club de lecture avec nous. Mm-hmm. Moi, j'ai pas lu les livres que vous avez lus. Ça, tu t'en aperçois quand même. Ce que j'ai, c'est un dossier. C'est-à-dire que je suis hyper bien entourée. Il y a une équipe de recherche absolument efficace, très compétente, qui me fournit donc des dossiers pour chaque sujet. Donc, ce que je fais, c'est que je m'informe sur le sujet dont que l'on va aborder. Par exemple, quand il est question d'un livre, bien, je vais avoir lu des critiques ou je vais avoir lu une entrevue avec l'auteur. Donc, je suis capable de contextualiser puis d'aider les gens qui viennent en onde rapporter leur lecture, de les aider à bien livrer l'information ou à poser des questions pertinentes qui font en sorte que l'auditeur est capable de suivre. Mais c'est vraiment une question de préparation, en fait. Puis je trouve aussi que lire, à l'époque dans laquelle on vit, je suis chialeuse, moi, dans la vie. Ça m'arrive de chialer. Je fais encore, j'ai pas de temps, j'ai plus de vie privée, tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve que si j'étais pas obligée de lire, je me pose vraiment la question en ce moment si je lirais. Je trouve qu'on lit plus. Puis ce qu'on fait de notre temps, c'est pas nécessairement hyper constructif là, au point de vue cérébral ou cognitif. Là. On passe notre temps à regarder des vidéos sur YouTube. C'est ça. Puis de regarder les médias sociaux, puis les photos sur Instagram, puis des stories, on va se le dire, là, c'est pas super intéressant. Là, tu retiens même plus. T'sais, tu l'as vu, puis tu te demandes ce que tu as vu une demi-heure après, puis tu t'en souviens plus. Puis si tu veux y retourner le lendemain, c'est même plus là. Exact. On est dans l'éphémère, on est dans plus de mémoire, on est vraiment dans... Il y a des côtés formidables à ça. Je veux pas juste dire que c'est négatif, mais je pense que d'être obligée de lire en ce moment, c'est un vrai privilège parce que ça fait travailler le cerveau différemment. Je me rends compte que j'ai une capacité de concentration qui est plus importante que la moyenne des gens parce que les gens sont plus capables trop de se concentrer, de suivre le POC là, pendant 1 heure ou 2 heures. Donc, c'est par la littérature encore que les idées émergent aussi. On est toujours au cœur de ce qui brasse, de les nouvelles idées, les controverses aussi. T'sais, cette année, aux États-Unis, c'est les livres qui ont fait avancer les débats ou en tout cas qui ont fait brasser la politique américaine beaucoup. Donc ça, je suis contente de ça aussi, d'avoir cette discipline-là qui est imposée par le travail. Je trouve que c'est plus un privilège qu'autre chose. Moi, je le vis comme un privilège aussi parce que, mettons, justement, moi, je lisais beaucoup plus jeune parce que, mettons, j'avais ma routine. Le soir, avant de me coucher, c'est sûr que j'allais lire. Ouais. Puis
en devenant plus vieux puis en m'engageant dans le rythme de vie professionnel, en multipliant les engagements, les déplacements, j'ai clairement perdu aussi une forme de routine. Puis j'ai perdu aussi le point d'ancrage où ben, c'est certain qu'à ce moment-là, je vais faire de la lecture. Mm. Puis quand j'ai commencé à faire Plonifou, Plonlit, ça m'a vraiment ramené dans la lecture, réellement. Puis même à ce jour, clairement, je suis en rush, admettons, de show de lancement. C'est sûr que de mon côté tout seul, j'aurais pas pris le temps un dimanche à m'asseoir puis me dire ben, aujourd'hui, je me claque un roman ouais. d'un auteur que je connais même pas, tu sais, admettons. Mais je me souhaiterais ça, mais c'est clairement un privilège. Puis même par rapport à la sélection des livres, tu sais, le fait de se faire suggérer, mettons, que toi-même, tu peux dire ah, celui-là m'intéresse plus ouais. parmi ceux qui me sont suggérés, mais ça m'a tellement amené à faire des lectures que j'aurais pas fait juste moi-même. Puis ça aussi, je considère que c'est un gros privilège. Ouais. Toi, j'imagine ça doit être innombrable le nombre de lectures qui te sont venues comme ça. Dans mon cas, c'est pire parce que vous autres, dans la position du club de lecture, il y a déjà une recherchiste qui vous adore, qui commence à vous connaître, qui vous propose oui. bon, de choisir à travers une pile de 5-6 livres. Moi, j'ai mm-hmm. jamais le choix, là. Oui, c'est ça, exactement. J'ai le choix de l'interviewer ou pas. C'est sûr que. À partir du moment où on décide d'inviter quelqu'un, je fais partie du processus décisionnel, mais à 2 heures par jour, je peux pas me permettre de dire non à... Puis bon, de toute façon, les gens m'intéressent, sinon je ferais autre chose dans la vie, là. Mais... Comment oui. il se fait ce choix-là de livre? Est-ce que c'est des incontournables qu'il faut que ce soit Marie-Louise Arsenault qui le lise et qui le commente? Non. Ou... Moi, je les commente pas. Je lis les livres pour lesquels je fais des interviews. Okay. Donc, c'est les gens que je vais interviewer. Ben, ça dépend de la disponibilité des auteurs. Mmh. Donc, si, par exemple, c'est un auteur français qui vit à Paris, qui est disponible, qu'on peut le faire à partir du studio de Paris, puis que c'est un bon invité, c'est toujours la question. Hein? Une émission de radio, c'est comme un show de musique où ce qu'on veut faire, c'est un bon show mmh. avant toute chose. Fait que si l'invité, si l'auteur n'est pas un bon invité, ce qu'on appelle un invité moyen, quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer, qui est très timide, qui a pas de charisme, ça existe. Là. Il y a des écrivains extraordinaires, ça n'a rien à voir, le talent de parler mm-hmm. le talent d'écrire. Mais on va le faire lire au club de lecture, par ouais. exemple, ou s'il n'est pas disponible, ou si c'est une traduction via de l'américain ou de l'anglais de l'Angleterre, par exemple, ben, ça peut être Ogden qui va lire. Mais si l'auteur, est bon, par exemple, parle français, est disponible et bon en entrevue, ben, on va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir en entrevue. Et le cas échéant, c'est moi qui vais lire le livre. Donc, c'est comme ça que les sélections se font. Les sélections se font à partir de est-ce que c'est un livre intéressant? Est-ce que c'est un livre incontournable? Est-ce que c'est un auteur que l'on considère comme étant émergent? Bon, l'émission a aussi cette culture-là depuis le tout début, c'est de faire connaître le plus grand nombre de voix possible. Donc, on a fait beaucoup de premières entrevues. C'est des gens qui n'ont jamais fait d'entrevue de leur vie. C'est un défi aussi de faire ça. On les fait souvent le lundi parce qu'autour de la table, il y a des gens comme Robert Nelson, comme plein d'autres mondes qui ont une habitude d'être là, puis qui ont une présence, puis qui sont capables d'aider quelqu'un à être plus à l'aise. On en a vu des gens, Robert, pas trop bons, mais, un peu verts et nerveux. Mais moi, il y a quelque chose aussi de vulnérable oui. là-dedans qui est intéressant aussi. T'sais, moi, j'ai la déformation professionnelle que je me sens dans mon comfort zone si je suis sur une scène ou dans un environnement public. Mais ça crée une déformation aussi de la façon de s'exprimer. Puis des fois, plus la personne n'est pas à l'aise, plus à quelque part elle est bizarrement honnête, tu sais, comme authentique dans ça. J'ai trouvé ça intéressant. Puis oui, en effet, admettons, quand je pense au nombre de personnes que j'ai vu passer à l'émission, c'est difficile de prédire. Tu dis, admettons, c'est ça le sujet du livre ou c'est ça l'histoire qui a été abordée. T'essaies un peu de te faire une illustration du personnage ou de sa façon de s'exprimer. Des fois, tu l'as, des fois, t'es spot on, puis des fois, t'es comme, oh, OK, genre, j'aurais jamais pensé ça. Tu sais, la personne écrit à propos de ça, mais admettons, dans son body language, tu dis, oh, OK, ça a pas l'air d'être le même rapport à certaines idées, c'est à certains concepts. C'est vrai, puis c'est toujours étonnant de voir qu'il y a des écrivains, il y en a qui ressemblent à leurs livres. Tu sais, tu les lis, puis là, tu dis, bon, à qui je vais avoir affaire comme personne? Puis il y en a qui ressemblent pas trop à leurs livres. Tu sais. Je me souviens, il y a eu toutes sortes de révélations. Bon, un gars qui a testé des pilules, des affaires de drogue, des affaires... Des fois, on est quand même assez soufflé. Tu sais, il est quand même 2 heures l'après-midi, 1 heure l'après-midi, puis t'as des gens qui se livrent assez sincèrement sur des côtés très absolument. Intimes de leur vie. Complètement. Ouais. Ouais, ça fait de la bonne ratio. Mais clairement, moi je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, je trouve aussi que tu te permets des fois, clairement, puis ça, après ça, j'ai définitivement de poser la question qui peut-être va être sensible pour la personne, mais c'est important parce que c'est comme on est là pour ça aussi. Tu sais, c'est parce que si on... Il faut toujours jauger dans le métier, mais c'est comme les relations humaines. C'est, bon, c'est un nouvel ami ici, je ne le connais pas beaucoup, mais il faut qu'on ait une espèce de développer un instinct de comment on peut, jusqu'où on peut aller avec quelqu'un sans le mettre
complètement mal à l'aise. Ouais. Puis parfois, les écritures aussi, c'est des choses très intimes. Il y a beaucoup d'autofiction. Mmh. J'ai interviewé beaucoup de femmes qui racontaient avoir été agressées dans leurs romans. Puis on sait que c'est des romans autobiographiques, donc on sait que c'est le cas. Alors comment on fait pour aborder ça? On ne peut pas aborder ça si c'est le sujet du roman. Complètement. Donc, il faut y aller avec une certaine délicatesse, mais je pense qu'il faut y aller quand même. Mm-hmm. Alors là, c'est l'expérience, c'est plein d'affaires. Puis des fois, on se trompe aussi. Hein? Mm. Parfois, j'ai pas de souvenir précis, mais on peut offusquer un invité aussi. Oui, ben, ou on peut peut-être même être offusqué par un invité. Ah oui, non, ça, on a vécu des belles. Oui, mais... Souvenons-nous de Claude Péloquin. Écoute, je te mentirais pas, j'avais exactement ce souvenir-là en tête. Tu commençais en plus, c'était début. Oui, je pense que le même scénario se serait présenté aujourd'hui. Peut-être que j'aurais ressenti le besoin, puis je me serais senti plus à l'aise de peut-être mettre un petit grain de sel sur la chose. Moi, je connais pas l'histoire de Claude Péloquin. L'histoire. C'est que on est en 2014. Je me souviens de l'année parce qu'il est décédé récemment, donc on a eu à ressortir cet entretien-là puis à le mettre sur le web. Donc, c'est en 2014. On est à l'automne. Donc, je pense qu'Ogden, c'est ta première année au Club de lecture, je pense. Exactement, oui. Donc, ça fait quelques fois qu'il vient travailler avec nous parce qu'Ogden, bon, je l'appelle Ogden, hein, de son nom. C'est Robert Nelson. On l'a découvert, évidemment, avec À la claire ensemble. Puis, à un moment donné, on a découvert qu'il avait fait des études de littérature à McGill. Alors, moi, dans ce temps-là, je saute sur ces invités-là. Alors, je lui ai proposé de travailler avec nous. On lui a proposé. Et donc, il commence avec nous. Et là, on a Claude Péloquin qui vient de sortir un livre que je lis la veille pour le lendemain. Puis là, je lis ça, puis ça n'a pas de bon sens. Avec tout le respect qu'on lui doit, c'est un personnage qui est important pour la culture québécoise, mais je pense que les dernières années de sa vie ont été difficiles au point de vue mental, tout ça. Alors là, je lis ça, puis je texte Maud Paquette, notre chef recherchiste, puis je dis, est-ce qu'on est certain de vouloir... Déjà, dans le livre, ça n'avait pas de bon sens. C'était un espèce de recueil de textes qui avaient été écrits sur lui. C'était ça. Mais photocopie d'articles. Puis là, il écrivait par-dessus. Puis déjà, il y avait des commentaires hyper racistes, hyper xénophobes. On voyait venir, là. Alors, je texte Maud, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le débooker. Ça a été édité, ce livre-là? Oui, oui, c'est publié dans une maison d'édition que j'oublie. Oui. Mais oui, il y a quelqu'un. Effectivement, c'est une bonne question. Comment ça se fait que ça a été publié? Ça a l'air d'un ramassis de brouillon peu. Là. Oh, je veux dire, c'est carrément ça. Là. C'était comme un cartable, on dirait. Oui, voilà. C'est comme bien dit. Alors, je lis ça, je suis un peu découragée. Donc, j'échange des textos avec notre chef recherché. Je lui dis, bon, regarde, on ne lui posera pas de questions spécifiques sur ses propos. On va le ramener à « Vous êtes pas écœuré de mourir, bande de caves. » C'est l'ensemble de... La belle époque, là. Puis c'est intéressant parce que ça nous amène à réfléchir aussi parce que quand tu animes une émission ou quand tu prépares une émission, quel que soit ton rôle, il y a toujours des décisions éditoriales. T'sais. Ça, c'est une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait l'entrevue? T'sais? C'est passionnant pour ça aussi. Donc, c'est ça. Donc, je me dis, on va faire ça. Alors, on commence, on est live. Premièrement, ça commence mal. Pendant l'actualité vue par Lily, parce que les invités sont là toute l'heure, donc je présente tout le monde, puis on commence par l'actualité vue par Lily avec Jean-Philippe Cipriani, puis c'était les 30 ans de Bhopal. Souvenons-nous, il y a eu des milliers de morts. Ça, je m'en souvenais pas, mais oui, là, tu dis, je m'en rappelle. Là. Et là, il commence à sortir des factures de son veston, puis il fait du classement de factures. Oui, c'est vrai, il était en train... Hey, OK, ça, c'est hors de contrôle. Pas de bon sens. Alors, Jean-Philippe et moi, on se regarde, puis Jean-Philippe et moi, on travaille ensemble depuis longtemps, encore plus longtemps que toi et moi, donc on a une complicité. Alors là, on se regarde, puis il y a comme un fou rire dans l'œil, mais ça n'a pas de bon sens de pogner un fou rire pendant qu'on parle de Bhopal. C'est une tragédie terrible. Alors, on sent déjà que ça va être bizarre. Donc, l'entrevue commence, puis là, je fais ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire on va y aller, là, la grande carrière, tout ça. Et par lui-même, par rapport, il commence. Alors là, on va se faire envahir, on va se faire anéantir, les musulmans vont nous éliminer. C'est terrible. C'était surréel, surtout parce que pour moi, c'était très frappant de me retrouver devant une figure que je lui concédais un genre de génie artistique, puis un statut aussi social qui est conscient de la responsabilité, qui est conscient du statut de la responsabilité qu'il a dû avoir au courant de sa vie. Puis j'étais très surpris d'entendre des propos qui, pour moi, avaient l'air d'être d'un remâché de la pire forme, admettons, de TVA Nouvelle, genre, tu sais, j'étais comme... Puis là, j'ai été obligé de me poser la question. Un bagage cognitif, c'est pas ça qui te protège contre certaines, ces genres de dérapes-là. Puis moi, je me souviens de l'avoir entendu
parler ou de mentionner des choses sur, admettons, des enfants d'immigrants. Il décrivait les dynamiques, comment, admettons, les enfants des immigrants ne s'adaptent pas à la société québécoise. C'est puis il y avait un paradoxe assez absolu dans le sens qu'il était, flanqué à gauche et à droite par des enfants d'immigrants qui sont à une émission de littérature à Radio-Can en train de produire du contenu culturel québécois et non seulement de comme... Il y avait un gars qui s'appelle Cipriani puis un autre gars qui s'appelle Ridjanovic. Donc déjà là, il y avait un... C'était très drôle et tout le monde avait la bouche ouverte. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est des propos... Bon, hyper... Visiblement, il y a comme un manque d'éducation ou d'ouverture, puis venant de la part d'un personnage qui, en quelque sorte, a pratiqué une forme d'art qu'on associe à l'ouverture et à l'éducation, déjà là, bon... Il y a comme sortir des anciens carcans. Exact! Aussi. Et puis, donc, tout ça, et les réactions que ça a provoquées, tu ouvres la porte, allons-y. Il y a plein de gens qui nous écrivaient pour nous dire qu'il y avait raison. Ça, c'était peurant aussi, parce que tu dis un discours aussi peu articulé. C'était pas articulé, là. C'était très émotif. Exact. C'était complètement émotif. Exact. C'est des discours d'extrême droite. Bon, articulé intellectuellement, on peut entrer en désaccord, mais au moins c'est construit. Tu dis, bon, il y a quelque chose à débattre. Lui, c'était carrément du gros racisme. Oui, là, instinctif, brutal. Alors oui, il y a des gens... Mais moi, ce qui m'a étonné là-dedans, c'est un, il y a des gens qui nous écoutent qui pensent comme lui. Ça m'a comme un peu... Puis je me suis dit, bon, mais tant mieux, il y a toutes sortes de monde qui nous écoute, mais en même temps, comment un tel discours peut séduire? Mm-hmm. Donc, il y a une vraie colère aussi dans la population qu'on peut pas nier, là. Clairement, puis moi, admettons ça, j'ai l'impression qu'un personnage comme ça vient valider cette émotion ou ce point de vue-là pour beaucoup de personnes qui peut-être le ressentent, mais se sentent gênés de l'assumer ou d'en parler. Oui. Puis là, quand ils voient quelqu'un qui... ils sont conscients de la charge sociale que la personne représente, puis là, ils la voient être confortable à assumer ces propos-là, à les mettre de l'avant, tout à coup, peut-être que la chose que la personne se dit, c'est même pas « suis-je d'accord avec son propos ou avec ses arguments », c'est juste « ah, voilà une porte d'entrée pour me connecter à mon émotion », puis comme, genre, lui être une invitation à moi-même aussi parler il de cette émotion. Il l'a dit, c'est l'effet Donald Trump, c'est la même chose. Puis tout ça s'est passé via Twitter, je tiens à le dire, c'est pas des gens qui nous ont écrit, là, qui ont pris leur adresse email. Ouais. Donc, c'est vraiment sur Twitter qui est à la fois un instrument d'expression exceptionnel, mais ça, on a vu monter ça aussi depuis quoi, une douzaine d'années. C'est aussi une fachosphère. Tu sais, ça se dit, c'est fasciste, Twitter. Ça peut être fasciste. C'est la première fois que j'entends, mais je comprends exactement le terme, là, complètement. Alors là c'était là chez Lous. Il y avait des gens qui m'accusaient de. Tu sais, ça, je me suis fait accuser à quelques reprises d'être pro-islam, de porter des lunettes roses, d'être candide, de ne pas voir la menace là où elle est. Bon. Donc, ces propos avaient, malgré tout leur manque de construction, intellectuelle, un public. Il y avait des gens qui pensaient comme lui. Une résonance, là, une résonance, c'est ça. Mais c'est peut-être ça. Mais ça, je me demande justement que l'effet Trump ou etc., on l'entend souvent dans une certaine bien-pensance de gauche libérale dont Radio-Canada représente un peu l'Église au Québec, au Canada français. Puis, je me demande si... Quand un invité arrive comme ça, oui, il y a le fait que c'est pas articulé, que c'est émotionnel, peu importe. Mmh. Même si on avait des féministes qui avaient la même positionnement irrationnel, j'imagine tu les accuserais d'une même manière. Ou bien, il y a une sorte de biais et une chambre d'écho qui fait que on peut pas inviter ça. Puis, la surprise que une certaine classe ou une certaine élite peut avoir par rapport à il y a une réaction dans la population, c'est donc scandaleux. Est-ce que je me demande c'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que Trump, oui, matérialise une émotivité, mais aussi peut-être une compréhension du monde qui a du sens? Et pas juste une irrationalité. Ah ouais. Tu sais? Ben écoute, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'on vit à une époque très désespérante. Puis en même temps, au point de vue intellectuel, il y a matière à réfléchir. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Je vais répondre par étapes. Les propos de Claude Péloquin, pour citer cet exemple-là, étaient de l'ordre de la diffamation. Donc, quand c'est raciste carrément en onde, quand les gens en appellent à la haine. Moi, comme animatrice d'une chaîne publique, je suis considérée comme étant responsable des propos de mes invités. Donc, je peux être poursuivie personnellement si je ne contredis pas
si je ne fais pas le travail de faire « bon, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire, pourquoi vous dites ça? » Si j'avais laissé cet homme-là parler de cette façon-là, j'aurais pu être blâmée. Donc, il y a un travail à faire. Donc, est-ce que la diffamation, pour moi, c'est inacceptable qu'elle soit de gauche ou de droite. Si une féministe arrive et commence à dire que tous les hommes sont des violeurs et qu'ils sont dangereux, je vais aussi contredire ses propos. C'est évident. Cela dit, tu touches à un point important. C'est-à-dire que plus ça va, plus les médias fonctionnent en termes de silos et de caisses de résonance. Et je pense qu'il y a un danger à Radio-Canada, comme il y a un danger à Québécois, de parler à un nombre relativement restreint d'individus qui pensent comme nous. Donc, c'est un travail qu'on essaie de faire le plus possible. C'est-à-dire, oui, d'essayer d'avoir une pluralité de points de vue en ondes. C'est pas simple. Donc, les gens, le dialogue n'existe plus. Et c'est difficile d'imaginer des gens qui ont des idées, disons, différentes, qui vont écouter un média où les idées ne sont pas nécessairement les leurs, ne serait-ce que pour évoluer, d'entendre des idées autres. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'à plus on y est, on essaie de le faire, mais pour toutes sortes de raisons comme celles que je viens de citer, c'est pas nécessairement facile. C'est bizarre, hein, mais c'est un peu comme ça au Québec. Là. Ouais. Puis, moi, je me pose la question, tu sais, mettons, quand tu disais tantôt, les livres ont fait avancer les dossiers, par exemple, aux États-Unis dans la dernière année, par rapport à ce qu'on dit là, moi, je me demande, on est tellement dans une ère où les médiums sont rendus justement accélérés, sont rendus tellement condensés, puis les gens ont beaucoup d'options pour comme algorithmiquement se brancher sur ce qui les intéresse d'avance un petit peu. Tu sais, puis là, c'est cette espèce de, comme tu dis, des silos en parallèle qui ne se toucheront jamais. Tu sais. Puis je me demande, tu sais, moi, je suis né en 88, tu sais, mes référents d'analyse sociétaire plus adulte, plus intellectuelle sont post-l'an 2000. Tu sais. Puis toi, est-ce que... Moi, je suis plus vieille que toi, mais t'es élégant, mais on va le dire, D'accord. Puis Est-ce que toi, t'as vu... Parce que nous, moi, mettons, c'est facile pour moi de m'imaginer à quel point ça devait être moins le cas quand, par exemple, on était moins dans l'ère Facebook, les likes, YouTube, etc. Tu préorientes ton expérience médiatique en fonction, au millimètre près, si on veut. Ben. Je me demandais, est-ce que pour toi, t'as vu, admettons, ce changement-là du médium? Le livre est passé, le textuel est passé du médium le plus important de la société à un des médiums y a beaucoup de gens qui ne lisent pas du tout, par exemple. T'sais. Puis cet effet-là de comment le médium, quel médium est dans le center of la lumière, quel impact ça a sur la façon dont on parle des choses, puis sur la façon dont se campent les gens dans des positions. De plus en plus définies. Écoute, moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, je me suis abonnée au Time Magazine. T'sais, je ne me suis pas abonnée à, Fox News n'existait pas, mais je veux dire, déjà, je pense que les gens avaient des allégeances ou des ouvertures ou des façons de voir le monde qui leur appartenait. Ça existait déjà. Donc, on lisait des médias qui nous ressemblaient déjà. T'sais, on lisait la presse plutôt que le Journal de Montréal, ou on lisait plus Le Devoir, ou dans un territoire comme le Québec, par exemple. Donc, ça existait déjà. Ça a toujours existé. Ce qui a changé, je pense, beaucoup, c'est la qualité du journal. Ça, c'est une autre grande problématique. Là, je lisais une statistique récemment qui veut qu'on a perdu 10 % de journalistes au Québec entre 2006 et 2016. 10 % Il y a à peu près 3 500, c'est autour de 3 500 journalistes actifs. Ça inclut pigistes et indépendants, tout le monde. Et il y a, à contrario, les gens qui travaillent dans le domaine des relations publiques, du marketing, des communications corporatives, eux autres sont rendus à plus de 22 000. Ils ont doublé en 10 ans. Il y a un transfert qui s'est fait, peut-être. Donc, il y a une qualité de l'information qui n'est plus là. Moi, c'est toujours quand ça nous arrive à nous qu'on voit comment les choses sont faites de façon absolument surprenante. Là. Nous, on a eu, dans l'histoire de Plus on est de fous, plus on lit, il y a eu des controverses. À un moment donné, on a mis fin à une relation de travail avec un humoriste que je ne nommerai pas. Puis, je n'irai pas dans les détails, mais... cet humoriste-là a fait un post Facebook pour raconter sa version de l'histoire. C'est sa version de l'histoire. Et cette version de Facebook, sa version de l'histoire, est apparue dans la presse, dans le Huffington Post, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Et jamais personne ne nous a appelé, nous, pour avoir notre version de l'histoire. C'est le contraire du journalisme. Là. Je veux dire, tu vérifies les faits, tu vas capter les versions de chaque côté, puis tu fais un résumé. Personne n'a fait ça. Donc, si tu multiplies ça pour un paquet d'événements ou de prises de parole, il y a un vrai problème. Tu sais, il y a moins d'effectifs, il y a moins de gens. Fait qu'on est dans le règne de l'opinion beaucoup aussi. Vitement garroché, vitement publié. Des textes plus courts aussi, moins étayés.
pour, tu sais, donc l'humeur, l'opinion. Donc ça aussi, ça ajoute au facteur que je pense qu'on est moins bien informé, même si les plateformes sont de plus en plus importantes. Donc les gens vont lire des affaires comme ça, puis ils vont se dire, ben c'est ça qui s'est passé. Puis là, ils vont prendre Twitter, puis ils vont en rajouter, puis ils vont partager, puis ils vont commenter, puis là, les gens sont contents. Puis, tu sais, Jean-Jacques Pelletier racontait dans son dernier roman que c'est un roman sur la radio poubelle. Mm-hmm. Bon, il y en a beaucoup à Québec, il y en a ailleurs dans le monde. Là. Je sais qu'il y a des gens à Québec qui sont tannés qu'on dise que c'est des radios de Québec, mais puis c'est vrai. C'est pas qu'à Québec que ça existe. Bon, il y a quand même une petite concentration. Et il disait que c'était, d'une certaine façon, dans la rhétorique puis dans la façon de « voici ce qu'on pense, voici ce qu'on dit pour plaire à un public cible mm-hmm. », les précurseurs de ce que sont devenus les médias sociaux. Mm-hmm. Puis il a assez raison, je trouve, tu sais, se parler mm-hmm. à sa chapelle, oui, dire des choses qui vont plaire au public, bon, tout puis ça. En connaître les mécanismes, exact. En connaître les mécanismes, parce que, mettons, là, si on fait rapidement se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en train de faire ça, puis tu le rapportes à ton expérience. Moi, si je dis à mon monde, ah, il y a un spectacle d'Ala Claire dans quelques jours à 20h à tel endroit, il n'y a rien qui se donne, tu sais. Mais comme si je leur parle avec un ton émotif qui donne une impression de tribalisme, comme, hey, ma gang de mince, je vous attends dans deux jours à tel spot, vous êtes mieux d'être là, puis ça va brasser ben raide. C'est comme si les gens se sentent par défaut, sont d'avance impliqués dans le point de vue. Tu sais, ouais. C'est comme tu les inclus dans le point de vue, si on veut. Puis je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de commentateurs politiques, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui sont, en fait, qui ont une position dans laquelle ils avancent des idées intellectuelles, ben, ils ont un peu de plus en plus cette approche-là. Puis je me demande, est-ce que t'as comme plus le choix d'une certaine façon. Mmh. Est-ce que c'est un peu comme la guerre nucléaire, dans le sens que, genre, tu sais, ton ennemi le fait, fait que t'as comme, ah, tu sais, genre, ça me tente pas, mais je suis obligé, entre guillemets, tu sais. Est-ce que moi aussi, j'ai pas le choix d'activer ces espèces de leviers de tribalisme, de marketing pour moi aussi jouer dans la parce la que quand on regarde la politique américaine, par exemple, la vulgarité peut être autant des deux côtés. Ah, mais oui. Du côté de gauche, il y a quelque chose de pernicieux que. On parle comme. Je vais dire on parle comme si on était du côté de la vertu. De la manière où c'est comme une évidence, tu sais. Mm-hmm. On est aussi, les Jedi, on est les Jedi aussi, dans Star Wars. C'est aussi pernicieux parce que c'est une forme de populisme inversé qui parle à des gens d'une autre classe et qui, et à la place de dire, OK, il y a peut-être des problèmes avec l'immigration, tu sais. S'il y a autant de ressentiment dans la population, c'est qu'il y a quelque chose là. Est-ce qu'on peut en parler ou sinon, on va juste lever la main devant des arguments qui, oui, sont violents, sont irrationnels, etc. Et on va se mettre du côté de la vertu puis dire non, mais on va pas argumenter sur les faits établis. Mmh. Alors, t'as raison. Non, mais oui. C'est hyper délicat parce que, bon, toi, tu t'appelles Samy. T'as le droit de dire, toi... Non, je m'appelle Sam dans la voix du boss. Oui, je sais. C'est ça. Bon, ton nom, c'est Sam. Mais il reste que, bon, t'es un fils d'immigrant, tu sais. Je sais pas si moi, avec le nom que j'ai... est-ce que j'ai le droit d'aller dire oui? Est-ce qu'on a le droit de dire? Est-ce qu'on n'a plus le droit de dire? C'est très complexe. Non, mais c'est rendu compliqué. C'est vraiment... Oui, c'est rendu compliqué. Non, mais complètement. Puis la question se pose aussi par rapport à des thématiques. Admettons, si t'es un homme, puis tu veux admettons, exprimer ton opinion même sur affaire. Des questions qui sont par rapport à admettons, des questions de genre. Des choses comme ça. Extrêmement sexuel, par exemple. Exactement. Ou si t'es blanc puis t'as envie de parler de quelque chose qui a rapport avec la couleur de peau, des choses comme ça. Ça veut dire que Marie-Louise Arsenault, un jour, s'est demandé « Moi, j'ai le goût de m'engager dans quelque chose dans la société. Je suis une femme blanche, québécoise. Ben, ah, le féminisme, tu sais. Est-ce que c'est ça? » Non, j'ai pas pensé comme ça. Je pense que c'est pas possible d'être une fille et de pas être féministe. Ça, c'est autre chose. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des... Bon, moi, j'ai un frère plus vieux, une sœur plus vieille. C'était bien à la mode des années... quand j'étais toute petite, ma sœur, elle lisait des trucs de même. Faut que j'ai été éduquée à ça. Puis, tu sais, toute ma vie, j'ai été confrontée à comment on traite les filles différemment des garçons. Donc, c'est juste une façon de... Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'on veut l'équité, that's it. On veut juste que les filles, par exemple, soient payées la même chose que les garçons. Ce qu'on n'est toujours pas capable d'avoir en 2018, là. Il me semble que c'est assez simple, tu sais. C'est pour ça que je le suis. Mais mon Dieu, j'ai ça a l'air... Sam, ça te dérange que je sois féministe ou... Non. Il revient là-dessus. Hein, ah, non. Je te taquine. Mais c'est sûr que... Je recherche des... On n'est pas conscient de ce qu'on dégage. C'est drôle parce qu'on sort de la période des fêtes et mon neveu, à un moment donné, il s'assoit et il me dit, t'es tagué. T'es tagué dans les médias sociaux. T'as une espèce de... Les gens ont des idées sur ce que tu représentes et comment tu penses, tu sais. Mon travail, c'est pas d'imposer ce que je pense, moi. Mon travail, je pense, c'est de réunir le plus de gens possible qui ont des idées et de les faire entendre. Maintenant,
on vit à une drôle d'époque quand même. T'sais. Est-ce qu'on accusait il y a 20 ans ou il y a 10 ans le New Yorker magazine d'être à gauche? Non, c'est un magazine d'idées. T'sais. Forcément qu'on est plus à gauche quand on est pour la pluralité d'idées puis d'essayer de réfléchir au sort du monde puis au vivre ensemble puis comment on peut vivre les uns avec les autres. T'sais. Ça vient avec. Pourquoi c'est devenu négatif de se placer là sur le spectre idéologique? C'est hallucinant ce qui est en train de se passer quand même. Là on en veut aux gens qui essaient d'avoir des idées qui ne sont pas arrêtées. T'sais. Moi, je ne suis pas nationaliste. Je vais vous le dire aujourd'hui, je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas souverainiste, je ne suis pas fédéraliste non plus. Je ne sais même pas où je me place sur le spectre politique. Donc, je n'aborde pas l'émission à chaque jour en me disant, bon là, il faut parler de nationalisme, il faut... Ben non! Tu sais, il y a toutes sortes de monde dans cette émission-là, puis je pense qu'il y a plus d'idées que... Bien sûr, on parle de féminisme. Ça, je le suis. Je le suis, mais je ne vois pas comment je pourrais être autrement. Puis pour moi, ce n'est pas idéologique d'être féministe. Là. C'est une question d'être... c'est humaniste. Là. Puis je ne suis pas raciste. T'sais. Puis je ne comprends pas qu'on puisse... Je pense que tu as raison, il faut parler des problèmes de l'immigration parce que, visiblement, au-delà de ce que les médias peuvent faire, certains médias, dans l'encouragement des idées négatives, puis je pense que c'est plus le cas de commentateurs que de médias, là, il reste qu'il y a une peur dans la population. Bon, ben alors faisons, oui, on devrait y faire face, tu as raison. Sauf que, qu'est-ce qu'on va gagner en ayant des idées qui sont de l'ordre de la peur? Qu'est-ce qu'on va gagner en disant que les femmes voilées, c'est pas correct? En disant, qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va... L'idée, c'est de vivre les uns avec les autres, non? Mais... Alors, comment on fait si on est toujours dans le négatif puis dans la peur? Je veux dire, ils sont là et ils vont arriver. Puis moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont des entreprises en région puis qui ont des problèmes de recrutement. Déjà là, au point de vue économique, il faut accueillir des immigrants. T'sais, on n'a pas le choix si on veut survivre. Alors, c'est pas en disant qu'on n'en veut pas puis en construisant des murs qu'on va avancer, là. On va où, là? C'est juste ça. Je trouve que c'est pas logique. Clairement, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il fut une certaine époque où, admettons, un positionnement idéologique ou intellectuel de gauche était un peu moins mainstream. Il y avait peut-être moins de personnes qui avaient ça. Et donc, les personnes qui, peut-être, s'apparentaient à ça, s'habituaient peut-être à devoir avoir des outils intellectuels plus forts pour argumenter leur position, ouais. L'illustrer, donner des exemples. Moi, ce que je pense avoir observé personnellement, même juste depuis 10 ans, admettons, oui, clairement, les réseaux sociaux ont ouvert la porte à certaines voix qui n'étaient pas entendues auparavant. Et ces voix-là, on s'en allait récolter, admettons, des followers ou des personnes, justement, qui ont généré, eux aussi, une forme qui ont trouvé une résonance. Puis ce que j'observe aujourd'hui, c'est que, en même temps, il y a juste 10 ans, j'entendais parler des gens, j'ai la même opinion qu'eux sur un sujet, par exemple. J'ai la même opinion qu'eux. Puis à gauche, à droite, t'entends des gens parler de ça. Puis les gens, en général, qui avaient la même opinion que moi... empruntait des avenues similaires. J'avais l'impression, admettons, je me sentais pas, admettons, notre proximité d'opinion impliquée, on dirait, une proximité de méthodologie, on dirait. Puis aujourd'hui, je me sens plus comme ça. J'entends des gens avoir une opinion très similaire au mien, mais l'exprimer d'une façon qui potentiellement me dérange, potentiellement me confronte. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? La notion selon laquelle... c'est comme si ça se rapporte sur... Ça revient un débat moral, on dirait. C'est le fait quand ça redevient un débat moral puis que j'ai devant moi quelqu'un qui, en l'absence de pouvoir vraiment sortir son opinion de la moralité, n'utilise que la morale comme argument. Puis c'est des dynamiques de culpabilité, des dynamiques de shaming un petit peu, tu sais. Puis il y a plein de sortes de shaming dans notre société, évidemment, qui sont à proscrire. Mais aussi le ignorance shaming, c'est à proscrire évidemment aussi, tu sais. Puis cette posture-là que j'observe un peu... aussi relié peut-être à des jeunes un peu plus de classe moyenne, un peu plus privilégiés, d'avoir eu à un certain moment des outils puis une ouverture pour te faire comprendre certaines choses, pour défaire certaines conceptions, mais de se revirer vers ceux qui n'ont pas ces privilèges-là puis un peu de les shamer, de ne pas les avoir. Il y a quelque chose là-dedans, je pense, dans l'ambiance du political correctness, il y a plein de... On se rapproche d'un point de vue du débat public de des opinions que je fais « Wow, c'est le fun de voir comme cette opinion... » Genre, l'essence qui est dit est vraiment le fun, mais de la façon dont c'est apporté, ça me laisse comme pantois. Ben, c'est la diminution du langage. Quand t'écoutes les discours, puis moi, je me méfie beaucoup de la nostalgie. J'essaie d'être dans mon temps, puis profiter de ce qui se passe là maintenant, mais tu sais, il reste que... Puis les politiciens jouent beaucoup de ça. Puis revenons-en au populisme, Sam, que tu dénonçais d'une certaine façon. Moi, je trouve que ce qui est dangereux dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'autant à gauche qu'à droite,
parce que peut-être il y a eu une déconnexion entre les classes de l'élite, là, ce qu'on appelle l'élite. Puis c'est aussi, bon, quand tu parles de shaming, on est dans le shaming de l'élite. Là. Mm-hmm. Dès qu'on fait partie d'une certaine élite, on est rendu... Apparemment, ça aussi, c'est un nouveau, c'est un shaming, c'est un nouveau criminel. Là. Bon, là, ces gens-là se sont rendus compte qu'il y avait une distance entre eux et le peuple, hein, appelons ça comme ça. Puis là, ils sont là, puis ils nous servent du vrai monde. Puis, je veux dire, autant à gauche qu'à droite, là, le soir des élections, autant Manon Massé, des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, Catherine Dorion, que François Legault, c'est le vrai monde. Puis, moi, ça, là, s'il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, là, quand on diminue le niveau de langage pour supposément s'adresser au plus grand nombre, déjà, on les insulte, à mon sens. On les méprise. Comme si on parlait à un enfant, en se disant, ben, on ne peut pas lui dire les choses, il ne va pas comprendre ce qu'on... Qu'est-ce que c'est ça, ce discours-là? Moi, ça m'insulte bien raide. C'est comme, regarde, parle-moi comme quelqu'un d'intelligent, là, puis je vais me montrer ouverte à tes propos. T'sais. Donc, cette espèce de manipulation-là, c'est, ça s'en va là, puis là, on va avoir des élections l'automne prochain, puis là, tu as des gens du Parti conservateur qui sont déjà en train de dénoncer les journalistes en disant qu'ils sont à la solde de Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau a donné de l'argent pour venir en aide aux médias écrits, ce qu'il aurait dû faire depuis des années, ce que tous les gouvernements devraient faire. Là, tu as ce langage-là qui sort sur Twitter, sans gêne, sans vergogne. Tu sais, c'est décourageant, tu sais, ce manque de recherche, de recherche de juste la vérité. On peut-tu juste garder... C'est quoi la vérité, là? Tu sais, on peut-tu arrêter de masquer tout puis de parler à travers de, tu sais, un langage emprunté puis toujours en train d'accuser quelqu'un de quelque chose, tu sais? Mais je me demande, par contre, quelqu'un qui, mettons, qui partage cette impression-là, tu sais, qui veut, qui souhaiterait voir une... pas une diminution du langage pour faire changer certaines choses, mais qui observe, mettons, ses adversaires ou politiques ou X, Y, Z en train vraiment de eux utiliser ces outils-là. Mais va pas là. Va pas là, mais j'aime... Va pas là. Sauf que moi, je suis d'accord avec toi, va pas là, mais je suis obligé d'accorder, de laisser quand même un espace d'ouverture mentale à me dire... Mettons là, que Bernie Sanders, aux dernières élections, avait un petit peu plus fait, ben, tu sais quoi, je vais la servir, la sauce Trump. C'est juste qu'au lieu de dire que les Mexicains, c'est des vieux racistes, je vais dire de quoi de positif, mais oui, un peu comme un gros tata. Tu sais, mettons, il y a beaucoup dénoncé l'establishment. Oui, clairement. Absolument. Mais mettons, agree with you. Mais comme, mettons, imagine, il avait tourné le volume juste un petit peu plus. Peut-être que d'un point de vue strictement objectif, je serais comme... Ah, oh, je suis comme pas d'accord, c'est dommage. Ouais. Mais comme ça, c'est ce débat-là entre une approche idéologique puis une approche basée sur les résultats. Tu sais, je me demande, quand tu vois que oui, ça génère des résultats un petit peu, mais oui, c'est mesquin, puis oui, peut-être qu'il y a un problème avec ça, mais si tu as l'impression qu'il y a une urgence à obtenir des résultats... Je sais pas quoi dire. Je fais pas de politique, puis j'en ferai pas, là, parce que je pense que je serais pas capable d'aller là. Tu sais. Non, parce que tu dis de pas aller là, mais en même temps, il y a le fait que tous tes adversaires utilisent ça, mais aussi la question du médium, la question du tweet à 258 caractères, le fait que, tu sais, Manon Massé s'est fait couper au milieu de son discours pendant l'élection parce qu'il y a une rapidité d'onde, etc. Donc, il n'y a comme pas le choix de... Je vais essayer d'envoyer dans ce chaos de bruit, je vais essayer d'envoyer le signal le plus fort pour que... Ben, ça lève la sauce. C'est pas simple. T'sais. Puis c'est en même temps, regarde là, ce que vous faites, là, c'est un show d'une heure et demie. Dans un contexte où les gens écoutent tes affaires de 30 secondes, ben oui, une minute. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui devrait faire, regardez, si tout le monde s'en va là-bas, moi, je vais aller ailleurs. Ouais. Puis on va voir ce que ça va donner. Il y a quelqu'un qui arrive puis qui fait des discours. Là. Ça serait formidable, non? Hyper construit, puis hyper... T'sais. Barack Obama, bon, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec sa présidence. Je ne l'ai pas trouvé cohérent, puis j'ai pas trouvé... Mais tu l'écoutes parler, tu te dis, bon, mais c'est quand même quelqu'un qui fait confiance aux mots, là. C'est rare dans le paysage politique actuellement, là. Il y avait quelque chose de l'ordre du vent de fraîcheur là-dedans. Ben, quelque chose de 20e-iste aussi dans cette approche-là. Oui, tout à fait, t'as raison. 20e-iste, oui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que c'est ça, le 21e siècle, c'est qu'on n'a plus de mots puis on insulte tout le monde. Mais ce qu'on est en train de faire, normalement, je trouve que tu soulignes, puis c'est très intéressant. Moi, ça a été une révélation pour moi dans les derniers mois, dans les dernières années. J'ai tellement souvent exprimé de la frustration puis d'une critique par rapport à le raccourcissement des formats. Tout est rendu consommé rapidement. C'est comme tout est rendu une version de fast-food, grosso modo. Puis là, à un moment donné, j'observais sur Internet, me disais, ben yo, il y a comme un peu
le format, par exemple, du podcast, à bien des égards, est en train d'exploser à gauche, à droite, partout dans le monde. Oui. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer? Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de montage, il n'y a rien qui se donne. C'est 1h30 de discussion ininterrompue. Puis il y a full de monde qui sont pas, mettons, des intellectuels et des docs là, qui s'intéressent à fond là-dedans. Puis que peut-être que c'est ça, c'est qu'on se tellement nourrir d'un certain type de format que tu es comme, ben, il y a juste ça, mais peut-être que comme la fois que quelqu'un te sert les pistes différentes, tu fais, hey, c'est donc ben bon, j'avais faim pour ça, tu sais. Puis c'est là où c'est dangereux de se dire, que de prendre les gens pour des cons d'ailleurs. C'est-à-dire, s'ils sont seulement en train de consommer ce type d'informations, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables de gérer une information ou une émotion qui leur serait livrée autrement. Moi, je me demande aussi, par rapport à Plus on est fou, plus on lit, tu sais, qui est une émission littéraire de 2 heures quotidienne à la radio qui demande une certaine exigence. Ça parle de littérature sous toutes ses formes. Je me demande, quand t'as proposé cette émission-là, genre les experts de relations publiques puis de code, puis de code d'écoute. Ils ne s'en sont pas mêlés. C'est sûr, c'est un bel accident. Plus on est fou, plus on lit. Il n'y a pas eu de public cible, il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu d'experts qui se sont prononcés. Il y a eu un patron qui est plus là maintenant, une femme en fait, qui s'appelle Anne Sérode, puis qui a dit, qui m'a invité dans son bureau, puis qui m'a dit, voici, j'aimerais ça avoir une plage le soir, parle de littérature sous toutes ses formes, mais de la musique. C'est ça qu'elle m'a dit. C'était le call, tu sais. Et bon, mais après ça, je me suis retournée de bord, puis j'ai fait un concept. Je crois vraiment qu'il faut que les choses soient conceptualisées, il faut que les choses soient scénarisées, il faut que les choses soient imaginées pour que ça fonctionne. Mm-hmm. Mais that's it. Et puis, on a l'air de ramener ça à nous, mais il reste qu'effectivement, c'est un vrai succès populaire, cette émission-là. Carrément, je veux dire, moi, le nombre de personnes qui me parlent de ça... C'est pas du monde qui sont en études littéraires. Non, c'est ça. C'est du monde qui conduisent des trocs, qui travaillent en construction. C'est du monde qui, peut-être, n'ont pas lu un seul livre dans la dernière année. C'est complètement mal. Le commentaire qu'on nous fait le plus souvent, c'est « je lis pas, mais je vous écoute », parce que c'est un talk show, en fait. Puis c'est un talk show où, au lieu de parler de, ben, tu sais, ton chum, ta blonde, c'est quoi ta plus récente relation, t'as-tu eu des bébés, tu sais. Mm-hmm. Les talk shows sont assez dans la promo, parle-moi de ton projet, dans l'anecdotique, parce que c'est ça le showbiz. Ben là, on parle de la mort, de l'amour, de la technologie, de philosophie, de poésie. On parle des vrais... Tu sais, j'allais dire qu'on parle des vrais affaires, c'est épouvantable. Ça fait une demi-heure qu'on dénonce le langage populiste. Mais tu sais, on parle de la vie, on parle de... Puis ça plaît, tu sais, parce que les gens ont besoin de réfléchir. C'est pas vrai que le monde, je pense pas que... Si on leur sert pas autre chose, si on leur parle comme à des enfants de 4 ans perpétuellement, ils vont s'habituer, c'est normal. Tu sais, ils vont... Bon, mais c'est ça qu'on me propose, puis je vais le prendre. Puis on fait tous ça. Moi, j'en regarde des cochonneries, puis j'en écoute des affaires qui sont pas à grosse teneur. On a besoin de divertissement aussi, là. C'est bien correct. Là. Ça prend de tout, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté de servir quelque chose de plus exigeant, tu sais. Mais carrément. Puis s'il y a personne qui le fait, merde, ça va être plate, tu sais. Puis je trouve que plus on fout, plus on lit. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui montre, qui souligne l'aspect qu'il n'y a pas la notion de « it's too late to go back ». Ça n'existe pas, la notion qu'il est trop tard pour effectuer un changement. Mettons, l'image que j'ai, c'est quand j'étais à McGill dans mes cours de littérature, je me souviens vraiment, il y a un prof qui nous expliquait, puis le cours au complet cette journée ou presque portait sur la notion que le livre, la littérature, s'est rendu de l'artisanat. Mm-hmm. Ce n'est plus une forme d'art majeure qui est le moteur principal de comment les idées bougent, X, Y, Z. Puis là, j'entendais ça, puis j'étais obligé de prêter comme une validité à ça, parce que j'étais comme d'accord un peu, où je me disais, juste dans mon entourage, le nombre de personnes qui lisent des livres n'est pas très élevé, évidemment. Puis là, il parlait d'une certaine époque, dans les années 70, admettons, comment était reçu un grand écrivain, genre de voir plein de jeunes dans vingtaine vouloir être full excités d'aller comme payer pour aller écouter Jean-Paul Sartre parler dans un, tu sais, genre des, t'sais, comme le superstar philosophe penseur, là, genre que comme les jeunes filles sont quasiment comme émoustillées par lui, genre toute cette zone-là. Une rockstar. Puis là, il en parlait un peu, puis je le voyais, la nostalgie dans son œil de comme un peu, ben, tu sais quoi, c'est une époque un peu révolue, puis maintenant, on doit un peu accepter que le roman, on le flush pas aux toilettes, on n'arrête pas, parce qu'on n'est plus les superstars de la société, on n'arrête pas de le faire. Mais tu sais, on le fait en connaissance de cause, c'est ce qui se passe. Puis j'avais trouvé ça un peu triste dans la mesure où j'étais comme...
peut-être que c'est juste temporaire, là. Tu sais, c'est comme peut-être qu'il peut y avoir un revirement de situation majeure, puis que boum, tu vois, à un moment donné, ça redevient le cas qu'un écrivain, un philosophe, un penseur devienne un peu comme, entre guillemets, un genre de superstar. Puis là, quand tu regardes dans l'univers des podcasts un petit peu, il y a des ces types de personnalités qui commencent à émerger, comme des genres de philosophes qui ont cette portée de personnage populaire. Puis, pour moi, quand j'ai commencé à faire Plon Fou Plon Lit, j'ai été obligé de repenser à cet événement-là, de ce cours de littérature. Puis je me disais, dans quelle mesure c'est comme une idéologie totale, en fait. Parce que lui, il sortait des stats de comme les ventes de livres, tout ça. Puis j'étais comme, OK, mais ça, c'est vrai. Les ventes de livres ont diminué, tu sais. Mais toi, tu prends le fait qu'entre 1 heure et 3 heures, 5 jours/semaine, tu sais, il y a comme autant de personnes qui sont intéressées à entendre parler de littérature, mais comment on fait le pont entre ces deux choses-là? Entre le fait que oui, clairement, d'un point de vue, mettons, des ventes, etc., le médium est rendu plus artisanal, mais qui exerce encore autant... De fascination. Oui. Puis comme dans le cas, comme tu disais, dans la dernière, par exemple, aux États-Unis, qui peut déclencher des débats qui, par la suite, se rendent dans d'autres sphères publiques qui ne sont pas la littérature. Ben, tu sais, évidemment, aux États-Unis, ils sont aux prises avec un président, disons, étonnant, angoissant. Ils vivent dans un système qui visiblement ne fonctionne plus. Ils se tournent vers... Bon, il y a eu le livre de Comey, l'ancien directeur du FBI. Il y a eu le livre de Woodward. Il y a eu 4 ou 5 livres très, très forts qui dénonçaient l'administration américaine qui se retrouvent au top des palmarès. Donc, il y a vraiment des gens qui les ont achetés. Moi, sous le sapin, là, mes neveux à Noël se sont offerts ça allègrement. Mon neveu lisait le livre de Woodward. Bon, tu sais, puis on est au Québec, là. Donc, c'est encore par les livres que les gens... C'est un peu comme les grands médias traditionnels dans une période chaotique aussi où, bon, on ne sait plus qui sont les enseignes avec lesquels on peut avoir vraiment un lien de confiance, ben, tu sais, ils traversent les tempêtes malgré les difficultés économiques. Tu vas lire le Guardian, tu vas lire le New York Times, tu dis, bon, mais, tu sais, je regarde ça ou c'est là que je vais chercher une véracité d'information. Alors, je pense que le livre continue d'avoir ce pouvoir-là. C'est très difficile de prédire. Qui aurait pu prédire, par exemple, que la radio serait le média le plus swingant en 2018 puis que du monde comme vous deux fasse des podcasts? Tu sais. Il y a 15 ans, les gens auraient fait la radio. C'est mort. Dans 15 ans, il y en a, ça n'existera même plus. Ben, voilà. Puis moi, je pense que les gens, les êtres humains, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de se nourrir, puis ils ont un côté où ils ont besoin de réfléchir. Sinon, on serait encore dans la caverne. Là, hein? On serait resté là. Alors, je pense qu'ils vont toujours, une certaine catégorie de la population va avoir envie d'entendre des affaires, de lire des affaires, d'être provoqué, d'évoluer. Je fais confiance à ça. T'sais, sinon, je vais arrêter de faire mon boulot, je vais faire autre chose. Puis, il faut qu'on soit plus nombreux à faire confiance à ça. L'époque dont parlait ton prof, faut pas qu'on oublie non plus que ça concernait une petite élite. Mm-hmm. Le Québec n'est pas un pays de littérature. Là. Non, la vivacité dont il parlait, elle a duré quoi? 10 ans? 15 ans? Là, peut-être qu'elle est très française c'est quoi, aussi. Ben, c'était qui? Là? C'était Hubert Aquin, puis je sais pas, Miron. Puis Miron, moi, je suis assez vieille pour me souvenir qu'il n'était pas à TV à tous les soirs à l'époque non plus. Là, donc, c'est sûr que le rapport à la littérature a changé, mais est-ce qu'il a déjà été si fort? Oui, petite période, nationaliste, gna gna, mais je veux dire, moi, ma mère est pratiquement analphabète, puis c'est ça aussi le Québec profond. Là. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même plus éduqués qu'on l'était. Là. Mais je pense qu'il y a une confusion entre le contenant et le contenu. Tu sais, le médium écrit reste encore le médium de communication le plus répandu. Tu sais, les gens, en fait, tu disais, ne lis plus, mais n'ont jamais autant lu. Ouais. Ils sont tout le temps la tête comme ça sur leur téléphone, en train de consommer des lettres qui font du c'est sens, okay? du mot. Ouais. Puis, moi, je lis beaucoup, mais peu de fiction, beaucoup de non-fiction. Puis, dans le médium du livre, de la non-fiction, de l'essai, etc., il y a le fait que tu as une bonne idée, mais que pour publier un livre, tu ne vas pas le faire en 20 pages. Il faut comme faire 250 pages. Tu sais, les non-fictions américaines, là, où on mélange des études, on mélange des anecdotes. Il faut comme... Il y a un forward de 30 pages par une autre personne. Exact. Qui... le narratif engageant, etc. Moi, je trouve que la forme du blog, ou même la forme du tweet, ça revient à quelque chose qui existait dans la philosophie grecque, qui est l'aphorisme. Ouais. Une pensée décisive qui te donne un modèle mental que tu pourras travailler toute ta vie, dans une seule phrase. Alors que le médium, ne serait-ce que structurellement, d'écrire sur du papier, puisque ça coûte à produire là, en tant que matériel, on n'est peut-être plus rendu là. Puis peut-être que la forme écrite se réinvente et crée un intellectualisme
nouveau. Puis on n'est plus rendu là. Puis en même temps, il y a des romans qui se vendent à des millions d'exemplaires là, encore aujourd'hui. Là. Oui. Donc, il y a des gens qui lisent. T'sais. Après ça, les statistiques sur les lecteurs, est-ce qu'elles ont déjà été plus probantes? Et puis quel genre de stats on avait sur les lecteurs il y a 200 ans? C'est bon. C'est genre ça aussi la question. Là, ça, c'est comme... ça devait être assez minime. Mm-hmm. Fait que je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Faire des... À un moment donné, bon, souvenons-nous, le livre électronique. Ça allait tuer le livre papier, mm-hmm. qu'on allait plus lire. Ben, c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai. Les jeunes, ils achètent des livres papier. Les statistiques le prouvent. Le livre électronique, ça n'a pas concurrencé la forme vraiment papier. Mm-hmm. Donc... Je ne sais pas où on s'en va. Je trouve ça bien difficile de prévoir l'avenir en fonction mm-hmm. du présent. À chaque fois qu'on le fait, on se trompe. Qui aurait pu prédire que Donald Trump aurait été élu, mettons, il y a 15 ans ou il y a 20 ans? Là, moi, je me demande, par rapport à toi, ton quotidien, ouais. tu as comme deux grands projets, si j'ai bien compris. Admettons, ben, plus on est de fou, plus on lit. Puis ouais. dans les médias, ouais. qui est l'émission un peu de... tu vas mieux l'expliquer parce que je l'ai pas vraiment regardé, mais qui est une émission de rapport à l'actualité, à ouais. l'image qui roule. Et à l'audiovisuel plus que juste le texte. Exact. À cette rapidité ouais. dont on parle depuis tout à l'heure. Comment tu fais, tu joues, t'as pas une dissonance entre ces rythmes-là où faut que tu sois sur Twitter pour voir ouais, ce qui roule. C'est une bonne question. Puis en même temps, tu t'assois avec ton livre. Tu prends le temps de le... Ben, c'est ça que je disais. C'est merci la vie de m'obliger à lire parce que je pense que je ferais que ça, regarder les médias sociaux, faire comme tout le monde. Là, regarder une vidéo sur YouTube, puis une autre vidéo sur YouTube, puis une autre vidéo. Ça m'arrive de le faire, là. Puis après ça, je fais... Qu'est-ce que ça m'a apporté, ça, là, exactement? Est-ce que je me souviens de ce que je viens de regarder? T'sais? Oui, oui, ma vie, c'est schizophrénique. Là. D'un côté, je dois être un news junkie, donc regarder comment l'information est traitée, parce que dans les médias, c'est une analyse de comment l'information, toutes ses formes, autant le divertissement que l'information politique ou géopolitique. Ça nécessite de rentrer dans le quantitatif aussi. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est une analyse de ça, mais je trouve ça super intéressant aussi, parce qu'on vit à une époque où les gens s'informent de cette façon-là aussi, beaucoup plus. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir une émission où on s'arrête puis on analyse comment l'information a été livrée, qu'est-ce qui est de l'ordre de la mise en scène, de l'opinion, du point de vue, de jusqu'à quel point c'est connoté, c'est organisé. Tu sais, ce qui s'est passé il y a 2 mois à peu près quand on a voulu enlever l'accès aux journalistes de CNN à la Maison-Blanche, mm-hmm. que la Maison-Blanche, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, ouais. ait publié un vidéo arrangé manipulé du journaliste voulant qu'il ait agressé physiquement une stagiaire. Tu sais, ils ont manipulé la vidéo. J'avais entendu parler du truc par rapport aux journalistes à la Maison-Blanche, mais ça, j'avais pas entendu parler de ça. Oui, ils ont manipulé la vidéo, tu sais, puis ils ont fait sortir ça via des médias sociaux un peu contournés, bon, tout ça. Mais il reste quand même qu'on est là-dedans. Fait qu'une émission comme ça, moi, je trouve ça passionnant d'animer ça aussi, parce que je me dis, tu sais, c'est un vrai service public dans la mesure du pouvoir qu'on a. Mais c'est une autre affaire. La télévision, c'est un média. C'est difficile de faire de la télévision de nos jours parce que les gens la regardent de moins en moins. Les gens la consomment autrement, sur Internet, quand ils peuvent, tout ça. Mais le moyen de financer la télévision, c'est encore la publicité. Mm-hmm. Donc, les diffuseurs actuellement, les diffuseurs traditionnels, sont aux prises avec une vraie problématique de financement parce que la pub, les gens qui regardent la télé en direct, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. C'est ça qui quantifie comment on va financer la télé. Mais moi, je travaille dans des médias publics. Cela dit, je travaille pas au privé. Là, puis c'est sûr que je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est important. T'sais. Une émission comme mm-hmm. Plus on est fou, plus on lit, elle n'existerait pas à la radio privée. Elle pourrait pas. Ou du moins, il y aurait quelqu'un qui, parce que même si une surprise de peut-être que je sais pas à quel point vous avez été surpris du succès de l'émission ou si vous vous attendiez à devenir une émission qui est comme un peu un bastion là, tu sais, je veux dire puis c'est cette surprise là elle mine de rien elle montre un peu que même ceux dans le privé auraient peut-être tort de se dire ça, tu sais, de comme un peu que potentiellement il pourrait avoir un genre de visionnaire, de super capitaliste là, tu sais, qu'il n'y a même pas besoin de faire ça, qu'il y a de l'argent à faire avec ça, tu sais, comme je fais une étude de marché puis je montrerai les stats de plus on est de fou plus on lit puis ça pourrait ça montrerait que ça pogne. Ça pogne, mais ça coûte cher à produire. Au privé, ils ont d'autres contingentes. T'sais, ils ne vont pas avoir une équipe de recherche aussi soutenue. Ils ne vont pas payer des bandes live. Ouais, t'sais, ouais, le c'est cabaret, ça, exactement. Là, il faut que. Il n'y a que le public là, pour payer ça. Donc, c'est important d'avoir des médias publics. C'est ce que je veux dire. Peu importe, moi, le jour où je n'existerai plus, je vais continuer à y croire à ça. C'est hyper important dans une démocratie. Mais encore là, il y a de l'éducation à faire parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas pourquoi. T'sais, combien de fois on lit
sur Twitter, c'est payé avec mes taxes. Tu sais. Mm-hmm. Je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à... parce que je trouve que participer à Plein de fous, plein de lits, ce que ça m'a donné, entre autres, parmi toutes les belles choses, c'est que j'ai eu un regard sur comment... tu sais, mettons, le rôle que l'émission a joué dans comment les rappeurs, le statut des rappeurs a changé au Québec là, dans tu les 10 dernières années. Vraiment? Moi, je pense qu'on a eu une incidence là-dessus. Moi, je le pense définitivement. Ah ouais. Vraiment? Parce que vous êtes un des premiers médiums out there qui a considéré les rappeurs comme dignes d'intérêt littéraire à égalité. Ouais. Avec d'autres types de personnes. Mais ça m'apparaît tellement une évidence, moi, quand oui, on lit les textes. Du point de vue de l'intérieur du monde du rap, au contraire, c'est comme... Le rap est désigné comme la musique qui n'a aucun intérêt littéraire. Puis t'es comme, tu sais, c'est comme, ouais, tu connais pas grand chose à ça pour avoir ce type d'opinion, mais c'est une opinion tellement répandue, tu sais, que ça prend, oui, à un moment donné, surtout pour une émission qui veut rehausser le ton, de dire, ben, on est en train d'inviter des rappeurs que des personnes pensent qu'ils sont en train de systématiquement prendre les mots pour faire du dumbing down, puis de justement aller confronter ça, puis. Mais on est dans des préjugés. Mm-hmm. Les gens qui pensent ça, c'est qu'ils n'écoutent pas le rap. Là. Je veux dire, à partir du moment où tu écoutes le rap et tu regardes les paroles, tu vois bien qu'il y a un vrai travail. Là. Oui, mais je pense que, admettons-le, la personne l'écoute. C'est évident. La personne l'écoute. Si on est loin de bébé, je t'aime bien. Oui, non, mais clairement, sauf que. C'est le propre de la musique pop en général. Là. C'est comme ça, on essaie de pas juger un livre par sa couverture. On essaie, mais on le fait tous au final. Oui. On le fait tous au final. Oui. Puis. Quand, mettons, une personne écouterait la même chanson, le même album, seul dans son coin, peut-être qu'il n'en retirerait pas la même conclusion, qu'il se dit « Ah, j'ai écouté cet album-là, puis c'est le même, mais je sais qu'il a été invité à telle émission, puis il a été considéré par des gens qui sont dans le geste de s'intéresser à la littérature sur une base quotidienne, bien, il a été invité là-bas. Ah, OK, ça m'indique que si je ne perçois pas dès le premier regard quelque chose, peut-être qu'il faudrait que j'aille creuser un petit peu plus. » Puis que ça amène des gens à casser un stéréotype. Puis que cette mini-fissure-là leur permet par la suite de peut-être rentrer là-dedans. Puis moi, je te le dis, il y a beaucoup de personnes que je pense qu'ils apprécient définitivement d'avoir... d'avoir une autre plateforme qui n'est pas spécifiquement ah je suis samedi soir à minuit puis il y a plein de monde chaud et on fumait des battes qui viennent voir un show de rap, tu sais, genre comme j'adore, évidemment j'aime bien ça, tu sais, ce que ça l'a dit, c'est bien le fun, mais c'est nice à un moment donné d'être un jour de semaine à une heure en plein jour avec du monde qui sont pas des rappers, qui sont pas des fans, puis on est puis mon truc aussi une cohésion, une pertinence, tu sais. Ben, tu vois, c'est là que si on a eu une petite incidence, c'est peut-être justement dans l'ouverture, tu sais, puis il y a de la résistance, là. Je veux dire, les courriels les plus nombreux négatifs qu'on reçoit, les seuls courriels négatifs qu'on reçoit, peut-être pas les seuls, il y a du monde qui sont pas capables de me sentir, qui trouvent que je parle trop vite, que, ben, tu sais, bon. Puis c'est bien correct aussi, on peut pas plaire à tout le monde, mais disons, dans le prorata, là, le plus grand nombre de courriels négatifs qu'on reçoit, c'est contre la musique, qu'on joue. Ben oui, ben oui, puis... Je veux dire, probablement qu'ils écouteront pas ce podcast-là, mais je veux dire, ils s'appellent tous Jean-Guy puis Ginette. Là. Oui, oui, fait que tu vois très bien que c'est des gens qui sont plus âgés, qui, pour eux, une émission littéraire devrait jouer de la musique baroque ou encore de Georges Brassens. Là, il y a une vraie résistance, mais moi, je me dis tout le temps, s'ils sont forcés d'écouter ça, parce qu'ils arrêtent pas de dire « J'arrête la radio, je ne vous écoute plus », mais là, tu revois leur nom 2 ans plus tard, tu dis visiblement, ils l'écoutent encore. Fait qu'elle soit obligée d'écouter des affaires comme ça, fine, tu sais, c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire, puis c'est ça qui manque dans les médias à l'heure actuelle, c'est que les gens sont confortés dans ce qu'ils pensent puis dans ce qu'ils aiment déjà. Tu sais, s'ils sont un peu confrontés à écouter à la claire ensemble, puis s'ils ont 75 ans puis ça leur déplaît, mais au moins ils vont l'avoir entendu en quelque part, tu sais. Puis quand, je sais pas, moi, leur petit-fils va arriver à Noël, ben ils feront pas hein, « c'est quoi ça? » Ils vont faire « ah oui, je l'ai entendu, ça m'énerve, mais bon, tu sais. » Mais je veux dire, comment on aurait pu passer à côté de la vague musicale la plus intéressante des 10 dernières années en jouant de la musique, premièrement? Deuxièmement, d'une vague musicale qui implique le texte. C'est verbeux du rap. Là. On fait de l'analyse de textes de chansons. Je veux dire, les pauvres, ils en ont pour leur argent quand ils analysent du rap. Je veux dire, les textes, c'est long de même, une toune. Bon. Puis ça groove. C'est un show qui groove plus on lit. Fait, quand tu veux mettre la musique qui groove, parce que c'est la commande que j'ai passée à notre directeur musical, il faut que ça groove. Ben, man, tu joues du rap. Puis il y en a du maudit bon au Québec. Là. Ça s'est passé. Hein. Depuis votre apparition, il y a eu plein de bandes. Puis ça continue. Puis ça a blanchi en maudit. Le rap est blanc maintenant, hein? Beaucoup. Ben au c'est, Québec. Je pense que. On a une émission de 2 heures là-dessus, si ça t'intéresse. Exactement. C'est cool, quand même. C'est que c'est le rapport aux médias et à la représentation là-dedans est tellement frappant parce qu'en tant que tel. Probablement qu'il n'y a jamais eu autant de rappeurs non-blancs qui sont en train de faire des trucs au Québec. C'est aussi ça l'affaire. Puis c'est qu'il y a une discussion très importante au Québec à avoir
par rapport à des notions. Je pense qu'on les reçoit pas, ceux qui sont. Ben, il y en a plein, là. Je veux dire, nous autres, on a fait dramatique, bien sûr. On a fait. Écoute, on a ramené Mosaïen, on a ramené Sans Pression. Mais je veux dire, c'est des vieux de la vieille. Après ça, oui, effectivement, il y a des noms que, blancs aussi qui sont que, en train de. Moi, c'est un problème que je vois en même temps. Ouais. On pointe souvent du doigt la couleur de peau pour cette question-là, qui est très réelle, puis c'est un facteur déterminant. Mais si je prends l'exemple. Non, mais c'est super intéressant parce que si je prends l'exemple, en même temps, d'un gars comme Soulja. Soulja, c'est un rap. C'est un des rappeurs les plus écoutés au Québec. Complètement. C'est views le plus vendu. Le plus vendu. Ouais. Si tu checks ses views sur YouTube, Spotify, il éclate tout le monde. Mm. Tout le monde, genre. Puis, mais il, à cause de ses propos spécifiquement, c'est pas parce qu'il est blanc, là, c'est un Québécois du pur souche blanc, là, ouais. Mais comme, à cause de ses propos puis sa façon, c'est vraiment. Ben, on est plus proche du rap un peu gangsta rap. Exactement. Là. Mais moi, Soulja, je tiens à le dire, on l'avait invité, il s'est débouqué le jour même. Fait que, t'sais, OK, ben c'est ça. Ben, tout à, faut non, mais, qu'il vienne mais, aussi, mais, si mais, on l'invite. Tout à ton honneur. Puis moi, clairement, ouais. Pour moi, Plonti Plonly fait partie de ceux qui sont pas dans genre dans cette espèce de piquinesse-là. De, justement, genre, ça me surprend pas que tu me dises ben, que vous l'avez invité. Mais ce que j'observe, moi, mettons, de mon point de vue, là, c'est qu'il y a des médias qui sont vraiment réfractaires à l'idée de se mouiller à... ils ont l'impression qu'ils vont, par défaut, valider les propos de quelqu'un s'ils donnent une plateforme à quelqu'un. Puis là, genre, ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à Péloquin tantôt. Mais je te donne un exemple. Moi, j'entends jamais personne dire comme, hey, Quentin Tarantino, il est vraiment dangereux dans la vie. Genre, ce gars-là, genre, il parle tellement de gens. Tu sais, tu checks ses films, mais c'est juste des explosions de sang, du monde qui meurt. Puis des, mais moi, genre... je le trouve violent. Moi, j'ai arrêté de regarder ses films. Non, ça mais lui, dans la vraie vie, mettons. Lui, dans la vraie vie. Tu sais, mettons, les gens font pas l'hyper-association entre l'ultra-violence de son contenu artistique, puis juste l'être humain. On est comme prêt à accorder un énorme gap entre ces deux choses-là dans le cas, par exemple, d'un réalisateur de film. Genre, tu sais. Mais dans le cas d'un rappeur, ce qui arrive, c'est que les gens ont souvent l'impression que c'est comme... Tu vois, le cas d'Orelsan est intéressant. C'est peut-être le cas le plus récent, en tout cas, d'un rappeur français. Moi, je l'aime bien, je l'écoute. Qui s'est fait accuser de misogynie, de toutes sortes d'affaires. Effectivement, on a eu de la... Eminem avait le même problème il y a une vingtaine d'années. Ouais. On avait de la difficulté à mettre de la distance entre ses propos puis la personne. C'est une maudite bonne question. Puis ça, c'est une question hyper actuelle. Avec le mouvement MeToo, il y a plein de réalisateurs qui ont passé au cash aussi. Est-ce qu'on continue à montrer leurs films? Est-ce qu'on continue à voir leurs films? C'est Roman Polanski. On se situe où par rapport à lui, dans la mesure où il est accusé de multiples façons puis d'avoir abusé de très jeunes filles? De quelle façon on est prêt à glorifier des personnages qui ont comme... que maintenant on découvre ça d'eux autres. Tu sais, parce que, dans quelle mesure je serais prêt à encore placer sur un piédestal l'œuvre d'un Péloquin en ayant vu ça? Tu sais, c'est des questions qui se posent réellement. Tu sais, c'est-à-dire que. Ben, c'est la différence entre l'artiste et l'œuvre. Puis ça, c'est compliqué. Moi, je ne sais jamais comment. C'est extra compliqué. Puis dans le cas des rappeurs, dans le cas des rappeurs au Québec, c'est qu'il y a vraiment. Moi, d'un point de vue de qualité musicale, il y a du monde qui font des trucs complètement, totalement. Comme au niveau des choses qui sont publiées, médiatisées. C'est juste qu'il y a un décalage entre... entre l'idée que c'est comme... Ah, mais si tu... Tout est parfait, mais tu parles de ça, donc on peut pas t'en... Puis c'est ça, il y a encore un peu la zone de les sujets tabous. Ouais, les sujets tabous. Ben, je prends l'exemple de Soulja, juste ça pour dire que... La misogynie, c'est difficile. Clairement, c'est mais 100%. Sauf que comme Samir disait tantôt, c'est comme un peu... Genre, si on essaie juste d'avoir une approche politiquement, genre comme ça, c'est incorrect et donc on empêche ceux qui expriment un certain point de vue de le faire. On peut aussi passer à côté de la traque de « Hey, il y a beaucoup de monde qui... » Genre, c'est peut-être dangereux qu'il y a autant de monde qui ont... Genre, il faut des fois avoir... de voir de pouvoir gager l'écho, tu sais, comme puis c'est mettons, c'est ça, j'entends ça de ce temps-ci, comme « Ah, ça serait... il faut plus de diversité. » Ben ouais, mais mouille-toi. Genre, mouille-toi. Ben, puis je parle à des promoteurs, je parle à tout le monde out there, même juste mouille-toi dans ton char, à qu'est-ce que tu vas écouter dans ton char. Tu sais, comme, mettons, mets-le donc, l'album à Soulja, puis écoute-le de A à Z, puis dis-toi, est-ce que j'ai l'expérience d'un gars qui m'a dit, au final, ce que tu dois faire dans la vie, c'est de la criminalité et comme te battre contre la police, ou genre, j'écoute l'album de A à Z, puis je suis comme, ah, OK, il y a comme un complet, il y a un narratif complexe de quelqu'un qui vit des thématiques qui, évidemment, se retrouve par. Il y a des sujets comme la criminalité,
c'est la délinquance, c'est ça. Ben mais c'est ce qu'il vit, mais il y a une richesse. Puis si tu, si tu vas un petit peu plus loin que comme la thèse, je pense que beaucoup de personnes qui voudraient écarter, la comme tantôt, la diffamation, il y a des choses là-dedans. Bon, c'est comme il y a une certaine limite. Là. Mais dans l'art, c'est autre chose. À partir du moment où ça s'est présenté sous le prisme d'une écriture, d'une poésie, je pense qu'il y a une colère ou il y a une agressivité qui mérite d'être écouté, d'être entendu. Lui, il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. Bon, mais on ne peut pas lui reprocher de vivre ce qu'il vit non plus. Si c'est sincère et authentique, moi, j'ai la misère avec le pseudo gangster rap. Là, je fais attention d'être... je fais semblant d'être... C'est juste du gangster rap. C'est pas pseudo. C'est ça. Mais, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'il faut entendre ces voix-là puis il faut leur permettre d'exister. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin des radios traditionnelles, lui, pour exister. C'est le plus vendu, c'est le plus écouté au Québec. Mais ça, c'est un bel exemple. Pas besoin de Radio-Canada, Saudia. Il y a des gens, ce qu'ils pensent dans la vie, c'est que si t'es passé, admettons, à Tout le monde en parle au Radio-Can, tu vis nécessairement de la chose que t'es... Dieu! Ce raccourci-là, je le comprends. Je veux dire, mais la réalité, c'est que il n'y a rien qui change le lendemain d'un truc comme ça. Là, c'est genre pas vraiment. Là, c'est... La réalité, c'est qu'il n'y a plus de musiciens qui vivent de leur musique ou après au Québec. Très peu. Qui vit de sa musique en ce moment? Même les gros noms, là, ils ne vivent pas de leur musique. C'est pour ça qu'ils sont juges à la voix. On va se le dire très clairement. Là. Ben, ce que je pense qui arrive, c'est qu'ils ont développé des trains de dépenses et des trains de vie. Ouais. À une certaine époque, je pense que ça doit être la malédiction de la personne qui était un musicien full connu puis successful dans les années 90. C'est que tu as l'impression que tu vas peut-être être upper middle class toute ta vie, puis tu bases un peu tes investissements, puis tu commences à dire, ben ouais, ça risque d'être ça, mais à un moment donné, tu fais, oh shit, tu sais, comme 50% des revenus potentiels n'existent plus. Je peux plus vendre d'albums, tu sais, genre, oh, comme, ben, techniquement, ce que ça veut dire, c'est que 50% de tes revenus potentiels ne sont plus là non plus. Tu sais, fait que genre, tes dépenses, tu dois réorienter ça, puis le je sais pas où me placer, moi, par rapport à ça, parce que je sais pas si on devrait, comme... considérer, parce que les artistes dans l'histoire, quand tu regardes dans l'histoire, la plupart n'ont pas vraiment vécu de ce qu'ils ont fait nécessairement. Tu sais, c'est comme un peu. Il y a la chose. Picasso, il a très bien vécu. Oui, non, mais il y a certains très bons exemples. Il y a certains très bons. C'est un homme d'affaires aussi. Oui, tu sais, il y avait. Carrément. Oui. Mais tu sais. Mettons Van Gogh, tu sais. C'est terrible, c'est le pire exemple. C'est le pire. Non, mais c'est évidemment le pire exemple. Mais il y en a. Mozart. Mort dans l'indigence. Exactement, il y en a plein comme ça. Puis. Mais il y a eu une époque où, tu sais, encore là, c'est une époque très petite dans l'histoire de l'humanité. C'est très 20e, hein, comme tu disais tantôt. Mais tu sais, du monde comme Sting, là, lui, il s'est mis riche en maudit. Oui, non, mais complètement. Elton John, tu sais, il y en a là, qui ont vraiment vécu. Puis ils ont établi des standards avec lesquels, après, on a essayé de. Tu sais, même au Québec. Mais ça, c'est intéressant parce que. Comme Daniel Bélanger a bien vécu, là, oui, je pense. Carrément, mais ça. Justement, on parle souvent de la place de la culture, comment les gouvernements doivent, justement, pour soutenir cet écosystème qui. S'il n'y avait pas toutes ces subventions-là, ben, ils pourraient encore moins vivre. Déjà que ce n'est pas facile, s'il n'y avait pas tout le régime de subventions, ben, ça serait encore plus difficile. Mais est-ce que... Je me demande si c'est la manière de faire. Puis est-ce que si on ne reste pas dans ce monde subventionnaire-là, on a l'impression que c'est toujours les mêmes éléphants qui vont être financés. Il y a une sorte de crédit qui est donné à ceux qui sont déjà là, un peu comme Péloquin. Tu sais, on l'invite parce que c'est Péloquin, pas parce que... Il est pertinent là. Est-ce que ça ne crée pas ça au Québec? Ben, comme moi, je peux le dire de l'intérieur du point de vue des subs, oui, une fois que tu as un pied dedans, c'est bien plus facile d'en avoir un nouveau. Carrément. Là, c'est une dynamique évidente. T'es clairement... Si tu n'as jamais eu, tu as moins de chances d'en avoir. Si tu en as déjà eu, tu as plus de chances d'en avoir. Fait que ce qui est un peu un non-sens, techniquement, parce qu'ils sont supposés être là pour aider ceux qui n'ont pas... Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça quand même un peu étrange que certains artistes qui sont rendus très financièrement confortables aient encore également accès... Aux mêmes subventions que toi. Qu'un artiste émergent qui... Tu sais, alors, je sais pas. J'ai pas d'opinion à dire, ah non, ça, c'est wrong. Mais plus comme... Mettons que j'avais 45 ans, puis genre, tu sais, j'ai fait 150 000 l'année passée. Je sais pas si j'aurais le même feeling. Le réflexe d'aller chercher de la subvention. C'est une bonne question. Je n'ai absolument pas de réponse à fournir à ça, mais c'est que... C'est pareil au cinéma, par exemple. Un gars comme Soulja, mettons, lui, il a décidé dans la vie que ça n'allait pas l'empêcher de faire ses affaires. Puis,
je pense que à quelque part, il faut avoir cette double vision-là. La vision de, oui, dans l'ensemble de la société, il y a des mécanismes vraiment importants à développer ou à mettre de l'avant pour que d'autres puissent, comme dans le bigger picture, avoir accès à ça. Mais mettons, moi, dans ma vie privée, là, dans ma vie personnelle, là, genre, peu importe les limitations, j'ai envie de faire ça, il faut que je le fasse, puis il faut que je le crée moi-même, cette plateforme-là. Ouais, c'est l'avantage d'être né à l'époque où tu es né aussi. Mm-hmm. Je pense que tu es né un an avant Xavier Dolan. C'est pour moi, Xavier Dolan, c'est le meilleur exemple qu'il y a eu aussi dans l'histoire du cinéma québécois. Mm-hmm. Son premier film, il a pris ses REER, puis il a fait « je vais faire un film ». Parce qu'il n'y a personne qui voulait le financer. Puis ça s'était jamais fait auparavant. C'est formidable. Puis ça lui a donné un élan, puis une liberté extraordinaire. T'sais, il s'est rendu à Cannes, puis après ça, c'était fait. Maintenant, tu peux pas demander à tout le monde de faire ça. Deuxièmement, tout est subventionné. L'autre affaire qui me tape beaucoup ses nerfs dans les discours reçus, c'est que la culture est donc subventionnée. Je veux dire, Bombardier est subventionné. Mm-hmm. Toutes les entreprises privées sont subventionnées. Tout le monde qui crée quoi que ce soit a accès à de l'argent gouvernemental. Maintenant, surtout si t'es vraiment riche. Surtout si t'es vraiment riche, t'as encore plus accès. Oui, t'as raison. C'est terrible, mais tu sais, après ça, qu'on remette en question le fait qu'on finance la culture, je trouve ça hallucinant. Comment un peuple peut pas être fier de ça? Ah, mais moi, je trouve que le débat, il se rend rarement à l'endroit le plus intéressant. C'est-à-dire que, il me semble que c'est évident que c'est pas devrait-on ou ne devrait-on pas financer la culture, mais comment on la finance? Puis ça, c'est le point que j'entends rarement des artistes eux-mêmes. Moi, j'aimerais ça à un moment donné que de voir un artiste, puis je ne l'ai pas encore vu tant que ça, de quelqu'un qui en a vraiment beaucoup profité dans sa vie, pas dans le sens de profiter comme un profiteur, mais dans le sens qu'il a eu de la gratitude pour avoir eu tout ça, tu sais. Puis de dire, le problème, un des problèmes majeurs, c'est peut-être pas que le gouvernement donne pas assez. Ça, c'est un des problèmes potentiels. Genre, ça se peut que ça soit une réelle partie du problème, mais avec l'argent qu'il y a déjà... Disons qu'ils vont pas, over. Non, mais c'est ça. Mais avec l'argent qu'il y a déjà, qu'est-ce qui se passe? T'sais, parce que... Donc, plus de transparence? Ça manque de transparence? Parce que moi, je suis moins au fait que toi. Toi, étant donné que tu as recours aux subventions, tu connais tous les mécanismes et les principes, comment ça fonctionne. Ça manque beaucoup de transparence. Okay. Puis malheureusement, je dirais que c'est la même chose, mettons, de prendre le domaine de la construction. À chaque fois que le privé et le public sont mergés ensemble, les glissements de terrain de collusion sont majeurs. Devrait-il y avoir une commission l'équivalent de la commission Charbonneau sur la culture? La commission Nelson, voilà. C'est la commission Nelson, mesdames et messieurs. Non, mais sérieux, est-ce qu'il y aurait, à ton avis, des choses c'est graves? C'est tellement des petits sous, au final, qu'on s'en calisse. Puis évidemment, s'en calisse. Mais si tu me demandes, moi, je ne veux pas nommer de nom, je ne veux pas dire oui, mais certainement, genre, ça serait... Il y a des passe-droits, il y a des trucs comme ça. Ça serait... Scandaleux, il y aurait des scandales. Ah, ben, mettons, je pense réellement que si quelqu'un tombait en mode, je m'en vais dig le dirt là, dans le domaine des subventions culturelles au Québec, je pense qu'il trouverait des trucs assez dirt, là, définitivement. Puis, mais que ça serait un peu de l'ordre de, on parle de quelques millions, tu sais, que c'est pas comme, au final, là, mettons, l'enveloppe pour global. La musique. Mettons, c'est comme dans le budget du gouvernement total. C'est comme un peu, ça tombe dans la catégorie les pertes. Là, c'est genre, mettons, fait qu'on s'en fout, entre guillemets. Mais en même temps, quand ça touche une industrie comme la construction, puis que là, évidemment, tous les enjeux, puis même l'aspect financier de ça est explosé, là, on dirait que la société prend conscience du problème qui existe là-dedans. Puis, mettons, moi, en dehors des gestes qui seraient répréhensibles d'un point de vue comme éthique, là, fondamentalement, un problème éthique, il y a aussi la notion de comme... comment c'est distribué comment l'argent est distribué aux musiciens au Québec présentement, c'est basé sur un template pré-internet là. Oui, parce qu'il faut encore faire des albums. Oui, exact. C'est-à-dire que, par exemple, si ton album ne se ramasse pas à être en vente, donc distribué physique, commercialement par un des deux seuls distributeurs qui existent au Québec, tu n'as pas accès à Musique Action. Tu n'as juste pas accès. Fait que si t'es comme en mode, hey, le cave, personne n'écoute des CD. Moi, je sors un album sur Internet, puis tout le monde l'écoute. Ils disent, sorry, tu fais pas partie des gens qui sont pertinents à financer. Tu sais, donc, on aide les distributeurs, c'est ça que tu dis. Exactement, on aide les distributeurs. Et donc, combine une couple d'affaires comme ça, puis tu te ramasses avec un setup où c'est très facile pour l'artiste d'avoir l'impression que la solution, c'est d'avoir plus d'argent qui rentre dans la machine. Mais peut-être que tu le verras pas, cet argent-là, même s'il y en a plus qui s'en vient. Tu sais, c'est comme ça qui est mal. Je pense qu'il y a ça aussi dans la frustration quand les gens disent on subventionne la culture. Ouais. C'est qu'il y a un peu l'impression qu'on...
subventionne les éléphants de la culture. On n'est pas en train de subventionner l'émergence d'une culture cohérente pour le 21e siècle puis le Québec de demain. Tu sais, il y a comme... Ça, je suis d'accord. Surtout en musique, ça, là, c'est peut-être le secteur le plus... Il y a vraiment un travail d'arrimage à faire. Là. Ouais. Tu sais, c'est deux mondes. Il y a comment on écoute la musique aujourd'hui puis il y a comment elle est subventionnée dans un territoire comme le Québec. Ça, c'est clair que... Au cinéma, je ne sais pas ce qui pourrait changer. Il faut quand même qu'il fasse un film. Là, tu sais. Mais oui, puis en même temps, est-ce qu'on nuirait pas aussi... Je veux dire, c'est déjà un milieu, c'est à bout de chandelle, puis on pousse pour avoir une scène. T'sais. Imagine là, si on commence à faire des enquêtes sur Exactement. On va tuer ça. Pour moi, quand, la construction, elle se porte bien. Elle va bien se porter, même si on enquête. La culture, si on commence à se dire qui a tort puis qui a raison... C'est sûr que sauf que ça crée encore le paradigme de les gestionnaires, en général, sont privilégiés. Et les artistes le sont moins. Ah, ça, c'est terrible. Moi, quand j'ai appris dans ma grande candeur, je ne sais pas quel âge j'avais, combien revient dans les poches d'un musicien qui a tout fait, qui a composé. C'est quoi? C'est une pièce? À l'époque, c'était une pièce sur chaque disque vendu. Ça dépend de ton DA, grosso modo, mais oui, ça tourne. Non, ça, là, aïe, et puis celui qui fait le plus d'argent, c'est la même chose au cinéma, c'est le distributeur. Donc, puis maintenant, et après ça, bon, c'est pas à vous autres, c'est pas à vous deux que je vais apprendre ça, mais je veux dire, le problème aussi, c'est que tu as Google, c'est eux qui font de l'argent, c'est les responsables de la bande passante. Ça aussi, c'est hallucinant. Mais tu sais, je trouve aussi qu'on vit dans un monde où l'idée n'est jamais respectée. C'est jamais l'idéateur qui va avoir l'argent au bout du compte. T'sais, le monde ne fonctionne pas de même. Puis sans idée, on ne fait rien. Mais c'est toujours celui qui transporte l'idée, qui la formate, qui met le package autour de l'idée, qui va faire le fric, parce qu'il prend plus de risques financiers. J'imagine que c'est ça la logique. Ben parce que ça, c'est pas le scénariste, mais le réalisateur. Mettons au cinéma, ouais, mais en musique, c'est pas le compositeur qui fait l'argent, mais c'est lui qui l'a fait, la musique. Elle n'existerait pas sans lui, c'est clair. Puis on vit quand même dans un monde où maintenant, la chance qu'a le compositeur, c'est qu'il peut se rendre où il veut sans l'intervention du distributeur ou du producteur de disques. Il y a une époque où c'était pas 100 000 piastres, puis un studio pour faire un disque, tu pouvais pas le faire. Il reste qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ça, encore une fois, c'est une question d'éducation. Les gens payent plus pour écouter de la musique ou pour s'informer. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème, il est là, là. Le problème, il est là, là. Ça coûte de l'argent produire de l'information, ça coûte de l'argent produire de la musique, même si ça en coûte de moins en moins. Puis il faut gagner sa vie. Toi, tu vas faire quoi pour gagner ta vie dans 10 ans ou dans 15 ans? T'es jeune encore, même année, tu vas peut-être te tanner aussi, là. Mais si la SQDC ne devient pas plus... Si la SQDC ne devient pas plus tête, je sais ce que je vais faire dans 10 ans. Tu vas gérer le pot? Tu devrais, ça serait tellement mieux géré. Je suis là, bring it on. Mais oui, non, mais la question est réelle. Puis moi, mettons, honnêtement, moi j'ai lâché les études pour faire du rap dans la vie, tu sais, comme, puis j'étais conscient j'étais pas en train de faire un choix qui allait m'assurer une sécurité financière à très long terme nécessairement. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 30 ans, puis je me dis je sais pas dans 10 ans, je ne le sais pas ce que je vais devoir faire pour gagner ma vie. Pourtant, je suis présentement un artiste très bien placé, comme si tu prends mettons si tu recules un peu en arrière... T'as de la notoriété. Là. Oui, j'ai de la notoriété, puis j'ai du succès, etc. Ouais. Je vis de ce que je fais présentement, mais c'est humble. Ouais. Fait que selon toutes les conditions classiques, on dirait je suis tellement bien placé pour poursuivre. Probablement que ça se peut que je fasse ça, exactement. Mais l'idée étant qu'on est rendu à une époque où, pour vrai, tu le sais pas. C'est-à-dire que comme... quelque chose de très frappant dans l'idée qu'un succès et critique et populaire au Québec ne se traduit absolument pas nécessairement en succès économique. Puis ça, c'est un des seuls endroits en Occident où c'est réel. Puis en tant que jeune rappeur, admettons, tu te le dis, à un moment donné, tu te dis, OK, je serais dans n'importe quel pays d'Occident. Je serais allemand, je serais anglais, je serais américain. Français. Je serais français. Je serais dans le Canada anglais. Puis en ce moment, mettons, toute proportion gardée, je serais genre millionnaire. C'est comme, c'est ridicule. C'est à cause que le bassin de consommateurs est petit. Exactement. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, puis en même temps, je veux dire, pensons-nous, comment ça se fait qu'on survit? On continue à survivre. Il y a beaucoup le discours alarmiste qui veut que la langue française est en péril, qu'on est en train de perdre notre identité, notre culture. Moi, je n'y crois pas du tout. Après ça, je suis pas au fait des statistiques, mais je regarde la vivacité de la vie intellectuelle, artistique. J'interviewe constamment des jeunes qui arrivent, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ils ont écrit, ils ont produit, ils ont fait de la musique, ils ont fait des romans, ils font du théâtre. Je veux dire, c'est hallucinant, la vivacité de notre culture. Pour le petit On n'a rien à envier aux grosses cultures qui nous entourent par rapport à cette vivacité culturelle, d'esprit intellectuel. Moi aussi, c'est entre autres une des positions que j'ai idéologiquement par rapport à cette question. Ouais. Je ne pense pas
que le français est autant en danger que parfois bon, on l'entend. Je ne le pense pas, moi simplement. Puis même en dehors du Québec, les gens ne comprennent pas qu'en dehors du Québec, le français, c'est la langue qui explose le plus en démographie dans le monde à cause de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'endroit où la démographie augmente le plus. Donc, la langue présentement dans le monde qui gagne le plus de locuteurs à chaque jour, c'est le français. Fait, oui, dans le cas spécifique du Québec, à cause de notre géographie, etc., où on est, oui, il y a un peu la notion de... Mais le français, en tant que tel, est tellement pas en danger de disparition, mais absolument pas. Puis ça, je pense qu'il faut essayer d'un peu se l'intégrer dans notre psyché collective ici, de comme se dire que oui, il y a des mesures à prendre pour protéger certaines choses, puis mettre de l'avant certaines visions, puis essayer d'être comme cohérent par rapport à ça, mais que l'espèce de la peur de l'affaissement total ou instantané, ou comme il faut, c'est une peur qui se nourrit, c'est une peur autoprophétique. Ouais, tu sais, genre, ouais. Ben oui, puis peut-être que c'est ce qui nous garde en vie aussi, d'avoir peur de disparaître, je sais pas, mais je trouve que, en tout cas, on se débat dans l'eau en maudit, dans l'eau bénite, là. Je veux dire, il y a une vraie vivacité, il y a vraiment une prise de parole qui a jamais cessé, puis tu sais, l'espèce de nostalgie que t'exprimais de ton prof, là, moi je la ressens tellement pas, au contraire. Ouais. Je pense qu'au contraire, il y a jamais eu autant d'artistes intéressants, multidisciplinaires, tu sais. Je regarde les filles qui arrivent maintenant, qui sortent des écoles de théâtre, écrivent toutes. Florence Lompré, Rachel Gratton, ça écrit du théâtre, ça écrit des séries sur le web. Je veux dire, il n'y a plus personne qui attend que le téléphone sonne. Non, puis les gens sont multidisciplinaires. Les gens se lancent assez consciemment dans l'objectif de mettre plusieurs cordes alors qu'ils sont complémentaires, oui, mais tu sais que je ne veux pas juste faire une petite affaire pour devenir un technicien spécialisé dans cette affaire. Moi, j'ai pas de crainte, en tout cas. Je pense pas qu'on est menacé, là. T'sais. As-tu l'impression que ta génération perçoit la génération de 20 ans comme un peu des dilettantes finies, genre de comme un peu... Ben non, parce que moi, j'entends ça... Je peux pas parler au nom de ma génération. Non, mais les milléniaux, les snowflakes... Non, je sais, mais tu sais, je peux pas parler pour l'ensemble de la génération X. Clairement, mais admettons, moi, je peux pas parler pour l'ensemble de ma génération non plus, mais oui, je peux percevoir un peu... Il y a comme un peu... l'idée que les gens plus jeunes que nous qui seraient les plus grandes victimes de ce monde post-2000, de t'es né avec Facebook, toute l'équipe, puis là, t'es tellement rentré, t'es handicapé mentalement avant même de l'avoir su par les likes, puis tu vois, puis comme moi, t'es rendu... Puis c'est ça, c'est comme moi, la façon dont t'en parles, t'as l'impression d'être assez optimiste, j'ai l'impression, puis inspiré par ce que la tu La chance vois que j'ai, c'est que je les côtoie. Je pense que des gens qui ont mon âge, qui ne côtoient pas du monde de cet âge-là à cœur de jour, ils ont une conception qui est erronée. On a toujours une conception erronée d'une chose, d'un territoire, d'un événement, d'un phénomène, si on le regarde à travers l'œil des médias. Puis c'est épouvantable que je dise ça alors que c'est mon travail, là. Mais tu sais, je me souviens le printemps étudiant, tu sais, quand c'était représenté dans les médias étrangers, on avait l'air d'être au bord du chaos, allait mal, tu sais. Bon, mais je me méfie toujours de comment les choses sont rapportées d'une part. Donc, je me dis, les gens qui ont mon âge aujourd'hui puis qui côtoient du monde de leur âge, grosso modo, au travail ou dans leur vie, bon, ils ont des enfants, mais c'est autre chose. Ils n'ont pas la chance d'avoir une vision plus juste, là, tu sais, de, bon, c'est quoi avoir 20 ans? Mais tu sais, en même temps, moi, je côtoie des gens qui, en quelque part, ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble de leur génération. Non plus, là. Tu sais, c'est des overachievers. C'est du monde qui ont fait des études. Mais je vois bien que c'est du monde hyper intéressant, articulé, pas tant que ça, dicté aux médias sociaux ou à leur portable. Les pires, c'est ceux qui ont entre 35 et 45, je trouve. Je trouve qu'il y a. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai. Non, moi, j'écoute, je regarde mes neveux, ils sont pas tout le temps devant leur téléphone. Les gens avec qui je travaille, pas en tout non plus. Ariane Thibault-Vanna, je pense qu'elle n'est même pas sur Instagram. Elle ne check jamais ça. Je pense que c'est une mauvaise conception qu'on a d'eux. Bien sûr, ils ont ce langage-là en eux. Ça, c'est clair qu'ils le maîtrisent parfaitement. T'sais, dans les médias, les entrevues les plus intéressantes qu'on a faites, je trouve, à venir jusqu'à présent, c'est avec du monde qui sont dans la vingtaine. Sarah-Jeanne Labrosse, Cœur de pirate. Parce qu'ils ont un vrai regard sur leur personnage médiatique. Eux autres, ils ont une lucidité. Ils comprennent comment ça marche. Ils sont alphabétisés complètement par rapport à ce langage-là. Ils sont hyper articulé, puis tu te dis, puis ils n'ont pas de complexe, là, non, tu sais, je l'ai fait, je me suis mise comme ça, j'ai fait exprès, je savais quel effet j'allais avoir, la conséquence. Je trouve ça hyper intéressant, tu sais, la maîtrise du langage, ça, c'est clair que cette génération-là, mais l'addiction à ça, je pense pas, je pense qu'il y a bien des réserves, puis il y a bien, tu sais, tellement tout le monde veut être aimé, hein. Mais j'aime vraiment entendre ça, mais je me rapporte un peu comme juste pour me faire un petit
peu l'avocat du diable. Là, hier, j'allais acheter un café chez Sarah, puis je m'arrête, je feuillette le journal qui est là, puis c'était le journal de Montréal, puis il montrait les 10 personnalités les plus appréciées au Québec en 2018, les 10 personnalités les moins appréciées. Tu veux pas être dans la liste des moins appréciées. Mais qui était dans la liste, 8e sur la liste des 10 personnes les moins appréciées? Dans les 10 des personnes les moins appréciées, t'as comme Gilbert Rozon, t'as Philippe Couillard, t'as du monde qui ont réellement, je comprends, il y a du monde qui les aime pas, là, I understand. Il y a des raisons. Puis là, 8e dans la liste parmi toutes ces personnalités je suis pas nécessairement surpris de les voir là, il y a Hubert Lenoir. Puis là, il y a un petit encadré. Non, mais excuse-moi, là, mais creusons un peu. Non, mais en fait, c'est un sondage. Oui, exactement. C'est qui a décidé ça? C'est un sondage. C'est un sondage. Mais ils ont soulevé des noms. Hein, vous savez comment ça fonctionne, les sondages? Parce qu'on en fait dans les médias. Uh-huh. On fournit une liste. C'est déjà établi. Tu ne peux pas choisir quelqu'un qui n'est pas sa liste. C'est sûr que le Journal de Montréal a décidé qu'il mettait Hubert Lenoir sur la liste de choix potentiels. Voilà. C'est intéressant. C'est ça que je veux dire. Si elle n'avait pas été là, on ne l'aurait pas choisi. Prends la plaie, les milliers, les dizaines de milliers de gens au Québec qui sont d'un certain âge, admettons, puis qui vont jamais pour vrai par eux-mêmes aller écouter son album puis essayer de rentrer en contact avec, se faire une réelle opinion là-dessus, puis que c'est juste, OK, je suis vraiment pas le seul qui trouve que, genre, que, tu sais, parce qu'ils savent pas comment le sondage fonctionne. Puis là, c'est comme si ils ont l'impression que tout le monde est chez eux en train de se dire, tu sais quoi, dans les personnes qui vont vraiment le plus agresser cette année au Québec, ah, Hubert Lenoir, mais c'est clairement pas ça, mais ça crée une lecture, c'est imposé, tu sais. Ben oui. Puis je pense que certains, par rapport aux milléniaux, mettons, par rapport à cette notion-là, quelqu'un mettons, tu dis, que quand je me base sur le réel, puis quand je les côtoie, c'est pas le même narratif qui émerge que si tu te bases un peu sur la. C'est une petite fleur. Puis il brasse la cage un peu, puis bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde que ça dérange, là. Puis c'est correct aussi. C'est le rôle de l'artiste de déranger. Tu sais, bon, il dérange parce que quoi, il a montré ses fesses. Parce qu'il joue avec la fluidité du genre. Il y a ça. Ben oui, mais ça, l'homophobie, je vais te dire, on n'a pas fini de faire le tour de ça. Là. Je pense qu'il en reste pas mal. Puis c'est sûr qu'Hubert, il pousse sur toutes les pitons. Puis je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Hubert, quand même, il ne faut pas non plus. Il maîtrise ce fameux langage, j'en parlais il y a 2 secondes. On ne peut pas lui Ça serait tata de notre part de penser qu'il est candide là-dedans. Non. Là, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne le trouve pas très candide. Je l'adore. Mais c'est comme si... C'est... Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans à se dire que peut-être que moi, on en parlait juste avant le début, tu sais, moi puis Sam, quand des fois on est trajet avec du monde qui ont juste 4-5 ans de plus jeunes que nous, on ressent en effet la zone comme, OK, on n'a pas le même schéma mental sur une coupe d'affaires, honnêtement. Tu vois déjà la différence? Ben, c'est parce qu'admettons... Par exemple, quoi? Nous, on est aussi un cas particulier, né 88, 90. C'est une grosse année, ça. Non, mais dans le sens où c'est vraiment la frontière où on a vécu un temps conscient... Sans Internet. Pas grand-chose, par exemple. Non, c'est... 7 ans. C'est pas grand-chose, mais avec l'accélération culturelle, l'accélération technologique exponentielle, ça se ressent ce qu'on appelle les digital natives, les gens qui sont nés dans un univers interconnecté de réseaux sociaux. Ils ont un système d'opération différent, je veux dire. En quoi ils sont différents? Donne-moi un exemple, par exemple. Tu sais, on dit qu'ils sont différents, mais comment ils sont fondamentalement si différents? Il paraît qu'à l'université, les profs disent qu'ils l'ont vu, ça. Ceux qui sont nés après 93, là, il y a quelque chose qui a changé. Mes parents disent ça aussi. Bon, les deux sont profs, ils l'ont vu, c'est ça. Ils disent beaucoup que ça a à voir avec le fait d'être confrontés à des idées qui ne sont pas jugées les leurs. D'où les scandales qui ont eu lieu sur les campus. Bon, celui auquel je faisais référence, celui concernant Mathieu Bock-Côté. On ne veut pas le recevoir parce qu'il ne pense pas comme nous. Ouais. Ben, je pense qu'il y a les silos, une certaine politically correct de la question de la diversité de genre, par exemple. C'est quelque chose qui a explosé dans les 4-5 dernières années comme la bien-pensance que tu ne peux plus questionner. Il y a comme ça qui a émergé. Je ne veux pas faire de généralité. Je pense que ce que tu as parlé tout à l'heure du fait de côtoyer, c'est la grande sagesse qu'il faut garder pour notre époque, de se côtoyer, de se parler, puis pas de faire de généralité. Mais on peut quand même chercher des patterns. Ah oui. Mais en même temps, il était temps que ça arrive. T'sais. Après ça, moi, le danger là-dedans, par exemple, au genre, c'est la stigmatisation. C'est stigmatiser quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle. Ça ne devrait pas être comme ça qu'on juge les gens. Ou s'auto-stigmatiser soi-même. C'est ça. Moi, je pense que c'est un temps. Là, on va dans le... Il faut le dire. À un moment donné, ça va redevenir quelque chose qu'on va porter sans en faire un...
un étendard ou un drapeau. Mais il était temps qu'on questionne ça. T'sais. Effectivement, pourquoi faudrait qu'un gars se comporte comme ça, qu'une fille comme ça? C'est qui? C'est quoi être... c'est quoi être hétérosexuel? C'est quoi, pourquoi il faudrait être ou hétéro ou homo? Je pense que ça fait partie de l'évolution humaine. Je pense qu'à un moment donné, dans 50 ans, probablement que tout le monde va être bi. je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Effectivement, c'est une question de culture et d'éducation. On est un peu conformés à penser puis à agir comme ça. Je trouve que c'est le fun que cette génération-là le fasse. Moi, puis ça dérange en tabarnouche. Mais s'il y a quelque chose qui dérange, c'est ça. C'est que pour essayer de répondre à ta question aussi, puis faire un lien avec ça, ce que j'observe, moi, chez les gens un peu plus jeunes que moi, c'est qu'ils sont beaucoup plus conscients, ou plutôt, sont beaucoup plus habités inconsciemment de la notion que tout est interconnectivité et que toi, même dans un rapport comme... Il y a une structure, il y a quelqu'un qui est clairement plus fort, plus puissant, plus important que moi. J'ai quand même une notion de dialogue. Je pense que les réseaux sociaux créent un peu cette conception-là. C'est-à-dire que tu peux aller comment ou envoyer un message à Drake, si tu veux, ton idole, admettons. Genre, t'es pas en mode comme c'est impossible. Il y a aucune façon que moi je produise un message ou que je produise une communication puis que ça se rende. Puis là, tu t'habites un peu dans la notion que tout le monde est un créateur de contenu. Mais tu sais, si tu sors... Ça rend pas tout le monde intéressant, non, on peut se le dire. Clairement pas, mais mettons, d'un point de vue de la culture, mais mettons, d'un point de vue de la vie, tout le monde est un créateur de contenu dans la vie. Je veux dire, juste en étant en vie puis en menant ta vie, tu es un créateur de contenu de vie dans l'univers. Là, nous sommes tous créateurs. Nous sommes tous créateurs. Puis que je pense que eux ayant interagi... Mettons, moi, j'ai eu le feeling plus jeune que je vais devoir travailler, je vais devoir faire des efforts, me prouver. Puis à un moment donné, j'aurais une plateforme dans laquelle je pourrais assumer mon rôle de créateur versus que eux, j'ai l'impression que c'est comme... OK, ben comme j'ai une pulsion de création... Pouf, tu sais, comme let's just do it, tu sais, comme je vais aller à la recherche de trouver la place où potentiellement je peux le faire. C'est comme si je le fais immédiatement. C'est un pouvoir extraordinaire. Les connexions neuronales que ça doit flip sur, admettons, en dehors de produire du contenu, genre d'un point de vue Facebook, etc. Je parle dans une relation humaine, tu sais, de comme t'arrives avec quelqu'un. Puis oui, les jeunes, je pense, en dehors de sont pas éduqués à être polis ou ils vous voient pas, les gens, je pense que c'est pas ça. C'est qu'ils arrivent un peu. Oui, ils ont une vision plus horizontale. Des rapports entre les gens, tu sais. Plus égalitaire, peut-être. Plus égalitaire. Sinon, ils sont, tu sais, c'est un vieux mot, mais effronté en quelque part, tu sais, c'est nécessairement péjoratif, mais je pense qu'ils ont moins de complexes. Mm-hmm. Ils ont peut-être moins de respect de la hiérarchie puis de l'autorité. Ou qui envoient avec, ou qui ils ont eu plus la chance de jouer avec ils sont pas à la messe bases, de minuit avec les bases fragiles de ça. Tu sais, mettons que prendre un exemple là, actuel, hein? C'est le temps des fêtes. Mettons que tu dis là que mettons t'as fait un, ça arrivait à du monde de genre de ils font un post sur Facebook par exemple, puis tu sais, sont une personne normale, puis là leur post vire viral, tu sais, à cause qu'ils ont frappé une corde à quelqu'un, puis là tout le monde a share des affaires. C'était peurant, ça, d'ailleurs. Non, mais c'était peurant, mais la personne peut aussi dire OK, comme ça peut aussi créer une brèche dans ton mental où tu dis ben la personne qui a 50 000 followers puis qui est une personnalité publique, une personnalité connue, ben le message qu'elle a posté hier a eu moins de portée que moi le message que j'ai fait. Puis comme c'est pas mon statut qui a fait ça, c'est juste j'ai actually dit quelque chose qui a résonné chez le monde. Genre, fait que là, le contenu, finalement, on critique à quel point tout ça est comme en train de nous dénaturer puis de nous éloigner du contenu, mais on a certains exemples assez frappants que c'est le contenu qui est en train de leader la course à ce moment-là. Moi, je pense que le contenu va toujours finir par gagner. À un moment donné, par exemple, dans les carrières, dans les médias, les gens qui survivent puis qui font une longue carrière, c'est du monde qui ont du contenu. En général, là, tu sais. Tu peux arriver puis exploser parce que t'es beau ou parce que, tu sais, bon, mais à un moment donné, si tu veux durer, il faut que tu proposes quelque chose. Quel que soit ce que tu proposes, c'est-tu des recettes, c'est-tu de la mode, c'est-tu, mais tu sais, il faut que tu proposes quelque chose, non? Ah, t'as l'impression qu'il y a une genre de main invisible sur l'Internet qui fait émerger la plus grande qualité, sincèrement? Ben non, parce qu'en même temps, je regarde, tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'évidemment, je suis pas de la même génération que vous, puis Internet est arrivé dans ma vie, bon, quand j'ai commencé à travailler quand même. Donc, j'ai eu à, tu sais, je me suis bien adaptée à tout ça, mais cela dit, je regarde, par exemple, Instagram, ça, je trouve ça fascinant. Parce que le monde qui a le plus grand nombre de followers,
C'est des gens inconnus dans les médias traditionnels. Oui, absolument. Ça, ça me jette à terre. Tu sais, mon neveu m'a montré la fille qui a le plus de followers, 1,7 million. Elle s'appelle Elisabeth Rioux. Oui, oui. Elle fait des bikinis. Bon, c'est comme c'est... deux personnes. Comme... Aïe, aïe. 1,7 million, on parle d'une personne sur trois au Québec, mais c'est qui la follow. Si, comme... je veux dire, c'est pas pantoute, je suis là, OK. Bon, ben écoute, là, 1,7 million, c'est hallucinant, là, tu sais. Ben, y a-tu quelqu'un d'autre qui a autant de followers? Tout le monde en parle, là, Elisabeth Rioux, là, tu sais. Donc, ça, moi, ça me fascine. C'est une espèce de phénomène-là de la célébrité dans des. Mm-hmm. Tu sais, dans des. Le rayonnement dans une affaire qui était considérée comme souterrain, mais qui prend de plus en plus de place. T'sais? Mais ça, je pense que ça explique la fascination des jeunes pour ces fameux personnages, ces fameux influenceurs, parce qu'ils leur communiquent plus que jamais l'impression de. T'as pas besoin de devenir. T'as pas besoin de gagner un Oscar avant qu'on s'intéresse à toi. T'as même pas besoin de savoir ce que tu fais dans la vie. T'as même pas besoin d'avoir une. T'as même pas de skills. À part juste être une personne. Mais avoir un beau corps, ça aide encore aujourd'hui. C'est encore une vérité de la palisse. Oui, non, mais c'est sûr, certain, mais regarde, il y a du monde qui. Ça n'a pas changé. Sur ça qui run. Il y a bien du monde que les gens ont une fascination pour eux. Puis tu regardes, la personne n'est pas nécessairement canon. C'est comme. C'est plus genre. Elle a cette espèce de côté... Elle a un swag. Elle a une proposition. Elle a quelque chose. Exact. Puis elle suggère que les avenues... Tu sais, que sa prise de puissance vient d'elle-même, d'une certaine façon, versus comme on a certifié cette personne-là comme digne d'écoute, donc on lui a donné, admettons, genre, une plateforme. Tu sais, comme... Genre, la personne fait « J'en ai rien à foutre. » Genre, j'ai ma plateforme. Puis comme la preuve, ben, là, 1,7 million de personnes se sont agglutinées autour, admettons. C'est quelque chose, quand même. Comme, moi, j'ai fait ça tout seul. Vous avez, admettons, j'avais genre une compagnie. Elle a fait ça avec Instagram. Elle a fait ça avec son téléphone, ben, en proposant quelque chose quand même. Tu sais, mais si tu te mets dans la peau de quelqu'un qui, admettons, moi, je sais tellement que plus jeune, j'ai eu clairement, je pense que Sam aussi, le côté, je pense que plein de jeunes n'auront pas vécu une espèce de déprime postmoderne de « il n'y a rien à faire ». Genre, comme il n'y a pas d'option pour shaker les structures. Tu sais, genre, il n'y en a aucune. Puis quand j'essaye, genre, ça, il y a tellement rien qui se passe que j'en perds l'envie, whatever. Puis là, ce qu'on voit de plus en plus, puis il faut faire la part des choses entre qu'est-ce qui est une confirmation du statu quo, puis qui semble être une attaque au statu quo, puis qu'est-ce qui. En tout cas, mais que oui, on a plus d'avenues qu'avant pour shaker les structures, tu sais. Puis que de ce point de vue-là. J'suis d'accord. Si, mettons, t'es un jeune, puis tu dis, OK, le monde est comme sur le bord d'exploser de l'ailleurs partout, genre, réchauffement climatique, c'est peut-être t'es comme submergé de la notion que tu peux rien faire dans ça. Mais là, si quelqu'un out there te donne l'impression que, ben non, tu peux comme devenir. Tu peux faire n'importe quoi avec pas grand-chose, tu sais. Puis. C'est vrai. Sauf que, tu sais, moi, je suis née à une époque où le discours était moins. C'était hallucinant. T'sais. Je suis née à une époque où il n'y avait plus d'avenue. T'sais, moi, ce que tu viens d'exprimer là, je l'ai connu aussi. Mm-hmm. Je suis sortie de l'université, c'était les grandes coupures, la récession, ça allait mal, il n'y avait pas d'avenue. La génération X, c'est une génération sacrifiée à tous les égards. Ça a été rough. T'sais. Ça, les gens qui nous écoutent, qui ont cet âge-là, vont bien sûr s'identifier. Mais on disait pas que ça allait être la fin du monde dans 5 ans tout le temps, tu sais. Mmh. Là, je me dis, aujourd'hui, t'as 20 ans, pis t'entends ça, tu sais, tu fais quoi? Tu fais-tu des enfants? Tu fais-tu confiance au système? Ce que tu te dis, je vais faire une carrière. Puis moi, j'essaie d'expliquer ça un peu. C'est comme, moi, je vis dans un monde, depuis que je suis tout petit, que j'ai l'impression que le système au complet offre peu d'optimisme, genre, tu sais, versus... Puis eux, ils me disaient, non, c'est clair, eux, quand ils étaient plus jeunes, dans les années 70, quelque chose comme ça, genre, ils se disaient, ben non, c'est comme si moi, j'assure puis je fais les trucs comme il faut, ben là, le monde va m'offrir des belles... Tu sais, le monde est surtout pas... Surtout le rêve américain, hein, ben oui, complètement. Le capitalisme est basé là-dessus, là, tu sais, tu peux y arriver si tu es, bon, à force de détermination, d'y croire, tout ça, tu sais, mais aujourd'hui, ça marche plus, ça. Mm-hmm. Je sais pas, là, mais... On tombe dans la phase du capitalisme social, en fait. Les réseaux sociaux, c'est une forme de capitalisme social absolu, au sens où, comme avant, il y avait des espèces... Il y avait des notions qu'il y a une logique... Il y a une logique linéaire à comment tu deviens quelqu'un de super connu, par exemple. T'sais, puis oui, il y a une notion d'aristocratie. Fais-tu partie de la noblesse? Ouais. As-tu les bonnes médailles pour avoir accès aux plateformes de 1,7 million de personnes, par exemple? Versus que là, c'est comme un peu le fameux coup de genre, ouais, j'étais pauvre, j'ai une idée incroyable, j'ai comme inventé un petit gadget, puis je suis comme devenu riche, puis je suis devenu un genre de. Comme la notion du parvenu, entre guillemets, dans le capitalisme financier, mais il y a des parvenus sociaux de nos jours. Puis c'est exactement ce que tu dis, comme la personne la plus connue au Québec, entre guillemets, ou sur follow Instagram. Passe jamais dans le journal ou à TV. Non. C'est comme crazy, là, tu sais. Ouais.
C'est vraiment, il y a des espèces de je sais pas. Mais de ça fait penser aux bourgeois qui remplacent les aristocrates, un peu comme si tu te mets dans le sud. Hein. Mais comme qu'il fut une certaine époque où les bourgeois pouvaient que rêver à avoir les privilèges de l'aristocratie, puis se disaient, merde, si jamais j'avais le bon nom pour ça. Puis à un moment donné, comme les blocs se commencent à bouger, puis fait, OK, j'ai plus besoin d'avoir ce nom-là, j'ai juste aller besoin d'investir à telle place. Ouais. Comme, puis. Ben, c'est drôle que tu fasses référence aux bourgeois par rapport à l'aristocratie parce que c'est des mots qui font référence à la Révolution française. Oui, ben c'est ça, complètement. Moi, je pense qu'on va la vivre, la Révolution. Moi, je pense que ça va mal aller. Le coupage de tête, là? Le coupage de tête s'en vient, là. Robespierre. Je suis pas super positive. Puis en même temps, c'est peut-être nécessaire. Il y a des gens plus positifs qui vont dire que ça va être une période de mutation, mais c'est pas vrai que c'est, something's gotta give, là. Il va se passer quelque chose, là. Ben, regarde les gilets jaunes en France. Je veux dire, ça brasse. Puis ça va brasser. Le social aux États-Unis, admettons. Ben, oui, ils sont au bord de la guerre civile, eux autres, là. Non, mais je suis d'accord. Puis, as-tu l'impression qu'au Québec, on est conscient assez de à quel point, dans le reste de l'Occident, ça brasse en titi, là? Non, je pense pas. Je pense qu'on est... Écoute, en même temps, là, on se dit qu'il faut pas généraliser, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est du monde assez pacifique, tu sais. Mm-hmm. Il reste quand même qu'on est... Passif ou pacifique? Ben, les deux. Passif, ouais. Puis c'est correct. Ça a des avantages. Parce que pacifique, ça pourrait être... On cherche pas la guerre, en tout cas. T'sais. Mais ça pourrait être l'hyperconscience que les conflits vont en augmentant, que ce soit conflits sociaux, conflits socio-économiques, etc. Mais on vit assez bien ici encore, tu sais. Mm-hmm. Assez bien. Il y a beaucoup de pauvreté, puis tout ça, mais il reste que, tu sais, c'est relativement confortable. Puis l'être humain est ainsi fait, là. Je veux dire, tant que ça va être confortable, il n'y aura pas de problème. Pourquoi ça brasse en France? Moi, j'ai lu qu'il y a un Français sur cinq qui ne mange pas 3 repas par jour. C'est énorme, ça. Ouais. Puis probablement pas par choix. Exact. Il est pas sur le jeûne intermittent, là. Pas sur le jeûne après le temps des fêtes. Mais tu sais, fait que je sais pas, j'ai l'impression qu'on va connaître ça de notre vivant, que ça va brasser. Je crois que ça revient à la question aussi générationnelle, où c'est comme ça que moi je lis la dernière élection, là, de une certaine frange des baby boomers qui sont encore la masse démographique, la masse économique grandissante. Ouais, que c'est la génération X qui a voté pour le parti, la CAQ. OK. Ouais. Mais tu sais, une génération qui... Quand on leur vend que ça va pas aller pire, tu sais, comme on va pouvoir continuer la croissance, l'économie, la consommation, etc. Tu sais, puis je pense que ceux qui ont voté plus Québec solidaire ou Manon Massé revient toujours sur la question de gang. Il y a une catastrophe climatique qui s'en vient. Pourquoi on n'en parle pas? Ils n'ont pas parlé de climat tant que ça, Québec solidaire. C'était pas le gros de leur rhétorique non plus. Il y avait personne qui était beaucoup dans l'environnement dans ce camp. Ben, sur les réseaux sociaux, ce que Manon Massé, les gros trucs qui sont allés viral, c'est ça. C'est la question qui... de la dette écologique. Alors, c'est beaucoup ce thème qu'on lègue aux générations futures. Mais ça pogne pas au point de vue de la... Ça pogne, mais ça pogne pas assez pour que ça motive une élection. Parce que les gens, leur mode de vie, il a pas changé. Ils sont capables de prendre... Puis tu sais, c'est l'autre affaire. On revient aux médias, tu sais. Moi, j'arrive de Chibougamau. Il y a un côté déconnecté. Plus ce qu'on observe aussi, c'est une déconnexion entre les gens qui vivent en ville puis les gens qui vivent... Toi, tu vis une partie de l'année dans une région du Québec aussi, en Mauricie, je pense. Les gens ne vivent pas de la même façon qu'en ville. Non, pas du tout. Les gens, ils ont des trocs, là. Parce qu'ils ont besoin d'un troc pour sortir de chez eux. Je m'excuse, mais tu sais, c'est bien beau, la voiture électrique puis le covoiturage, mais quand tu habites au fin fond d'un rang puis il y a une tempête de neige, tu as besoin d'une voiture. Une voiture, un 4x4. C'est pour ça que j'ai un SUV, parce que j'ai un SUV dans la vie parce que, j'habite au bout de 10 km d'une route de terre. C'est pas la majorité de la population, mais elle existe, cette population-là. Fait qu'elle n'est pas à l'écoute d'un discours qui veut que, tu sais, il faut faire du covoiturage, il faut prendre les transports en commun. Ça, c'est une question urbaine, tu sais. Puis les phénomènes qu'on observe beaucoup dans le monde à l'heure actuelle, en Angleterre, le Brexit, c'est ça. C'est la différence entre les villes et la campagne. Les gens vivent différemment. Puis plus ça va, plus il y a une confrontation aussi des valeurs, puis de quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais, dans la façon d'envisager la vie. Puis, tu sais, la statistique qui veut que les gens qui ont le plus peur de l'immigration, c'est ceux qui vivent en région. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ils sont pas confrontés, tu sais. Je veux dire, ils veulent pas des musulmans, mais il y en a pas de musulmans chez eux, tu sais. C'est comme, ça me fait rire, tu sais. En fait, on a peur de ce qu'on connaît pas, mais il reste que ça aussi, c'est une autre affaire à laquelle on va faire face, là, la différence entre les modes de vie puis ce qu'on veut, tu sais. Le vivre ensemble. Comment on va faire pour vivre ensemble? C'est la question fondamentale, non? Oui, mais sur quoi on va s'entendre, tu sais? On s'entend sur rien à l'heure actuelle. Ben,
C'est comme ça qu'ils gagnent les élections, les partis en ce moment. C'est, sûr. Mais c'est comme ils ça aussi que les révolutions se passent. À partir du moment où il y a un dénominateur commun où les gens sont tout à coup capables de s'entendre sur une affaire, hey, ça chibérerait de pas être capable de manger 3 repas par jour, admettons, les gens s'entendent sur qu'est-ce qui marche pas non plus. On est rendu proche d'un moment où il y a peut-être. On est rendu proche d'un moment d'entente plus qu'avant, je pense, par rapport au constat de OK, gang. Comme ça chie, là. C'est comme, c'est pas vrai que c'est chill, là. C'est pas vrai que comme on va trouver l'année prochaine l'espèce de technologie genre miracle puis tout va être réglé ou non. C'est comme ça, ok, c'est comme on devrait, ouais, ça va mal, t'sais, comme mais un peu, comme quelqu'un qui dirait ah oh, ouais je l'admets, genre j'ai un problème, t'sais, comme à un moment il faut t'admettre un problème pour le faire, ouais, mais ça va venir des jeunes, ça viendra pas des gens confortables qui conduisent une BMW puis qui ont 3 maisons, ils n'ont aucun intérêt à changer de mode de vie, t'sais. On parlait de la Révolution française, puis j'espère que on aura eu les leçons de ça, puis que non, mais que tu sais, est-ce qu'on apprend tu dis de l'histoire? Les révolutions se font sur un dénominateur commun où toute la libido se fait puis il y a de la violence. Ouais. Moi, mon espoir, c'est qu'on ait eu le bagage démocratique pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir discuter, pour par la conversation arriver à un dénominateur commun. Ouais. On peut être cynique, etc. C'est ce qu'on fait ici. Ouais. Personnellement, je mets pas mes œufs dans ce panier-là, mais c'est ce qu'il faut faire. Ben oui. Puis on le fait ici, puis je suis content de... en tout cas, c'est quand même la seule place au monde où il y a eu une révolution de ce qu'on a appelé tranquille, le Québec. Ouais, c'est vrai. Faut compter là-dessus, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, on est tellement interconnectés maintenant, on peut plus se dire, nous, on va être correct par rapport au reste du monde. T'sais, les changements climatiques, ça concerne tout le monde. Tu sais, il s'agit qu'il y ait un gros feu dans le nord du Québec, puis ça descend, là, comme ça se passe en Californie. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Je veux pas être pessimiste. La nouvelle année s'annonce, soyons joyeux, mais je sais pas. Je me dis qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de grave, puis là, on va être obligé d'agir. Puis souhaitons qu'on agisse intelligemment, puis dans un vrai pouvoir démocratique. Mais c'est pas bien à la mode, la démocratie, hein? Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est en train de redevenir à la mode comme à la naissance du mot. Parce qu'à l'époque, démocratie, c'était un mot péjoratif pour parler des populistes qui utilisaient les leviers. C'est vrai. Des gens. Fait que c'est comme ça que le mot démocratie. Démocratie n'est pas né comme un mot pour glorifier l'espèce de concept, genre de comme consulter le peuple. C'est pour dire, comme les églises gothiques, le terme gothique, c'est pour dire, ah, c'est lettre, c'est gothique, mettons. Mais c'est vrai, ça m'a frappé de découvrir le mot démocratie qu'on accorde autant de valeur. Ben, à la base, son origine, c'est un mot dépréciatif. T'sais. C'est un mot comme, genre, ah, t'es un populiste, t'es un démocrate. T'sais. C'est fou, hein. T'es un démocrate. Puis oui, je pense que de ce point de vue-là, la démocratie est à la mode. Au sens où on est à la démocratie totale, là, présentement, de comme Donald Trump est probablement le plus grand démocrate. Par rapport au fait que, genre, la matière première à laquelle il s'intéresse d'abord et avant tout pour aller son agenda, c'est les gens qui l'ont élu. Mais c'est l'espèce d'émotion populaire qui est là, puis qui est palpable un peu de façon abstraite, mais en même temps si concrète à la fois, tu sais. C'est pour ça que ça peut être pervers, la démocratie. Ça peut être très, très pervers, parce que l'idée que c'est le nombre de personnes qui justifie l'approche est à la fois tellement réelle, tu sais, puis à la fois, des fois, comme tellement comme... Faudrait qu'on vienne à la monarchie, hein? La reine d'Angleterre. Ben écoute, moi, j'arrête pas de la mettre partout où je peux. Moi, j'ai un petit faible pour elle. Mais malheureusement, je pense que... Non, je crois pas beaucoup à la monarchie non plus. Tu pourrais nous faire un coming out monarchique, là, un réel coming out monarchique. Ben oui, OK, la gang. je vais laisser ça pour un peu plus tard. Pour un peu plus tard. Que le peuple soit mûr. Que le peuple soit mûr pour se déclarer. Oui. La gang. Yes. Hey, on a refait le monde. Puis on a même dépassé les limites qu'on s'était setées. Non, alors voilà. Je sais pas s'il y a encore des gens qui nous écoutent. On coupera au montage. Non, oui. Toute l'affaire sur la révolution puis tout ça, là, on enlèvera ça. Marie-Louise Arsenault, merci beaucoup. Merci. Gros plaisir de t'avoir ici avec nous puis de jaser de président tout ça. Président du Bas-Canada, merci beaucoup. Merci, Sam. Merci à toi. À la prochaine, la gang. Yeah. Ciao, ciao.